bien, bon après-midi, mesdames et messieurs. Mon nom est Rémi Meunier. J'aurai le plaisir de décrire ce match entre les Cougars du Collège Champlain et les Islanders. Présentation des joueuses, des alignements partants, et on vous revient avec la présentation du match. Bon match, mesdames et messieurs. Les joueuses qui ne sont pas des alignements partants vont regagner leurs bancs respectifs. Et ce sera le début des hostilités entre les Cougars du Collège Champlain et les Islanders du Collège John Abbott. Les Cougars qui ont collé une épaule au sol aux Islanders lors du match de vendredi soir. Les Islanders qui méritaient possiblement un meilleur sort, mais les Cougars ont bien joué. Ils sont sortis, sont revenus avec la victoire. Donc, de ce match sur la route. Et là, les Islanders, bien, n'ont plus le choix. Doivent gagner les trois prochaines rencontres de façon consécutive pour pouvoir passer à la prochaine ronde et affronter, selon toute vraisemblance, le Titan du Collège de Limoilou, qui n'a pas encore terminé sa série, mais qui domine pour l'instant son duel contre les Blues du Collège d'Arsenal. Alors, on est prêt au centre de la patinoire. Et sans grande surprise, on avait amené dans la mêlée, c'est D'Alessandro qui va faire face à Pau. Et cet après-midi, bien, ce sera un défi supplémentaire pour Noémie Marin, donc qui n'aura pas le dernier changement. Elle a réussi, et elle l'a très bien fait lors de l'affrontement précédent, à placer ses meilleurs effectifs contre à quelques reprises contre les reculs des Cougars, et ça a donné d'excellentes chances de marquer. Alors, cet après-midi, ben, c'est l'entraîneur Jonca qui aura cette opportunité. Un tir qui n'est pas cadré, ça va aller le long de la rampe. Morin s'avance, mais on s'est avancé de la ligne bleue, là, Foran, qui a permis à l'attaque de se maintenir. C'est récupéré derrière par Boutin. Boutin, en possession de la rondelle. Boutin qui tente de se libérer, utilise la rampe, tentait de rejoindre côté un peu plus loin, finalement, D'Alessandro et Lalonde, le long de la rampe, conjugue leur effort pour ramener les Cougars dans leur territoire. Rondelle qui est récupérée en haut territoire, et là, ben, il y a eu contact entre les deux joueuses des Islanders, dont Cachero, qui était tout juste en territoire neutre. Dans le coin, mettons, bataille de la rondelle, c'est Marié Bonhomme qui est là, qui tente de trouver la rondelle le long de la rampe, perd son duel, Cachero reçoit, remet le long de la rampe, Lacombe qui remplace le disque en fond territoire. Ce sera récupéré par Barbirati qui remet derrière vers le Skodan. Barbirati et le Skodan, on revient à la ligne bleue. Un tir bloqué juste dans l'enclave. Relance immédiate
avec Roger qui place le disque en fond de territoire. Et comme on le voit souvent, ben, des changements très, très, très rapides appelés par l'entraîneur Jonca. Disque qui est intercepté le long de la rampe. On amène les Islanders dans leur territoire. Bon travail de Prévost. Rondelle récupérée le long de la rampe. C'est poussé jusqu'à l'autre bout. Et ce sera refusé aux Islanders. On va revenir près de la gardienne des visiteurs. Et on revient avec Anaël Gagné devant le filet des Islanders. Du côté des Cougars, eh bien, la chance loin a gagné la confiance de son entraîneur depuis le début de la série. Et elle est toujours devant le filet. Un tir qui est amené sur Gagné. Un premier par les Cougars. Rondelle qui est débattue dans le coin. Pivote sur elle-même. Larouche ramène tout le monde en fond de territoire. Prévost à la poursuite du 10. Bien, finalement, on s'est avancé de l'arrière. Tenter de garder cette rondelle en territoire adverse. On a réussi à le faire. Verplace reprend maintenant. Place le disque en fond de territoire. Ça sera récupéré par Cachero. À la ligne bleue, on n'arrive pas à capter cette rondelle. Donc, ça va jusqu'à l'autre bout. Et Verplace sera là la première. Remet à contre-courant. Encore une fois, joueuse de centre. Verplace recrue qui est toujours bien placée sur la patinoire. Bonne lecture encore une fois. Et elle vient donner un coup de main à sa défensive en étant la première derrière. Là. Le Sage s'amène en territoire offensif. Perd le disque. Ça reviendra en haut territoire. Et là, ben, on a perdu pied. On aurait pu partir à 2 contre 0. Là, Saint-Pierre est côté. On a joué de chance un peu là, du côté des Islanders. Ou de malchance du côté des Cougars, dépendant de la façon dont vous regardez ça. Veilleux place le disque en fond de territoire. Cachero vient l'intercepter. Il va remettre le long de la rampe vers D'Alessandro. D'Alessandro revient sur ses pas. D'Alessandro, là, toujours en possession de la rondelle, tente de revenir vers l'intérieur. Et on place le disque un peu plus loin. On va s'amener en territoire offensif. Van Weyden, qui pousse le disque le long de la rampe. Veilleux a tenté de libérer son territoire. Et on bataille ferme encore une fois le long de la rampe. La Londe qui place le disque en fond de territoire. Jobin va le recevoir derrière son filet et remettre vers Gagné. Gagné fait dévier vers l'intérieur. Et immédiatement, on va amener des jambes fraîches dans la mêlée du côté des Cougars. Disque qui va vers Graham. Graham qui a connu un bon match vendredi soir dernier pour les Islanders. Graham s'amène, remet vers l'intérieur. Bien bloqué à défensive. On tente de remettre devant. Bon travail. Et Proulx va s'amener. Attention, peut-être 2 contre 1. Il y aura pénalité. On a accroché Proulx. Côté va s'amener. Jeu qui se poursuit. Et lorsque les Islanders, finalement, touchent au disque avec le Sage. Pour obstruction, les Islanders seront chassés. Un premier avantage numérique. Il appartient aux Cougars. Et lors du dernier match, ben, les Islanders ont pêché quelques reprises. Mais n'ont pas été, outre mesure, défiés par l'offensive des Cougars. Et je dirais même que ça a été l'attaque à 4. Les Islanders, qui, en désavantage numérique, ont eu quelques bonnes chances de marquer. Alors voyons si cet après-midi, l'unité offensive réussira à se faire valoir davantage. Boutin. Boutin se met immédiatement en marche, revient vers l'intérieur. Attention, là, on tentait de revenir de l'arrière. C'est Loscodan. Le Scodan là, qui a tenté de venir saisir ce disque. Le Scodan qui a marqué vendredi et qui aurait pu en inscrire au moins 3. Et je crois que personne n'aurait parlé. Rondel qui n'a tout simplement pas voulu collaborer suffisamment pour qu'elle puisse augmenter sa fiche offensive. Rondel qui est débattu le long de la rampe. Côté pivote sur elle-même. Remet à sa coéquipière. Revient. Et le transversal de l'autre côté. On vient effleurer la barre horizontale. Première bonne chance de marquer de la part des Cougars. On a réussi à rejoindre Proulx devant le filet. C'est une bataille dans le coin. Comme on va le voir, là. Les Cougars qui vont s'échanger la rondelle le long de la rampe. Rondelle qui va revenir dans le coin. On va ramener le disque directement dans l'enclave. Et un tir qui semble avoir touché la barre horizontale. Alors, pardonnerez, on était un petit peu mal cadré. On y reviendra. Prévost maintenant. Prévost. Je pense qu'il ne trouve pas preneur. Ça va jusqu'à l'autre bout. Et on va revenir sur la dernière séquence. On
voir juste ici. Donc, rondelle qui va être amenée devant. Et un tir qui semble avoir effleuré la barre horizontale. Tir qui rate la cible. On est revenu en territoire des Cougars. Encore 50 secondes à faire à l'avantage numérique. Rondelle qui est récupérée par Jobin. Jobin revient sur ses pas. Jobin avec Gagnon à ses trousses. Là, Jobin va trouver refuge derrière son filet. Et attention, encore une fois, un revirement. Rondelle sautillante. Finalement, on va quitter de peine et de misère le territoire. Blanchard reprend. On s'est ramené rapidement sur elle. Bon travail de Lalonde et s'est récupéré derrière par D'Alessandro. D'Alessandro qui cède le disque à Gagnon. Dégagement qui est complété. Encore 18 secondes à faire à l'avantage numérique. Disque qui est amené vers Boutin. Boutin qui s'amène en territoire offensif. Boutin tentait de remettre à Proulx. C'est bien passé, là, mais un bon bâton en défensive. On a fait dévier. Et là, ben, Côté récupère le disque sur la ligne. On remet vers l'intérieur. Encore une fois pour Proulx. Proulx qui semble s'installer dans l'enclave. Là. A eu quelques bonnes chances de recevoir le disque depuis le début de cet avantage numérique. On est revenu à force égale. Là. Côté un tir. Disque qui a été dévié sur le gant. La gardienne, encore une fois, là, on avait convergé. Là, et on marque en pivotant sur elle-même. Côté donne les devants aux Cougars. 1-0. Ben, les Cougars qui connaissent un bon début de première période sur ce quatrième tir prennent les devants 1-0. Un tir, comme vous le voyez, qui s'amène sur la gardienne. On bataille en fond de territoire. Rondelle qui va revenir le long de la rampe. On revient directement dans l'enclave. Et en pivotant sur elle-même, Côté qui tire et marque. Elle qui est récupérée maintenant derrière. Blanchard replace le disque vers la rampe droite. C'est Roger qui reprend un lob. Et c'est repris par Blanchard. Blanchard, placement de rondelle en fond du territoire. Disque qui sera récupéré dans le coin. Et on reviendra avec... C'est Marc Viratti qui tente de remettre devant. Attention, Verpasse. Verpasse avance. Un tir. C'est bien bloqué en défensive. Vanout Cachero là, qui n'a pas laissé la jeune recrue du côté des Cougars filer vers le filet. Là. Disque qui est récupéré par... Larouche, le long de la rampe, pousse plus loin. On bataille derrière la ligne des buts. Ça revient vers l'intérieur du bout du bâton. Rondelle qui est poussée vers l'Oscodan. L'Oscodan qui perd le disque. C'est repris derrière. Boutin qui est remis du côté gauche. Et là, ben, on tentait de rejoindre Verpasse. Est-ce que ce sera refusé? Non, ça a été effleuré. Donc, jeu qui se poursuit. Rondelle qui reviendra le long de la rampe. Et on accélère là, avec Le Sage qui s'amène en territoire offensif. Un tir, bel arrêt. La gardienne de la chambre loin. La chambre loin qui... jouera là avec confiance après que les siens lui aient donné l'avance d'un but. Alors, les Cougars qui ne connaissent pas le même début de match qu'on a vu lors du match précédent. Donc, ce sont eux qui arrivent à échanger coup pour coup avec les Islanders. Les Islanders qui, vendredi soir dernier, avaient été tout simplement fumants. Les Cougars qui avaient réussi tout de même à retraiter au vestiaire avec une égalité d'un à un. Mais c'est après un gros ouf des Islanders qui avaient été vraiment excellents. Et là, ben, en ce début de première période, ben, les Cougars qui réussissent à jouer à égalité avec les Islanders. Et ils se sont même imposés, puisque 5 tirs contre 2. Ce sont les Cougars là, qui imposent davantage le rythme lors de ce début de première période. Alors, hors-jeu refusé au Cougar. On va revenir à la gauche de la gardienne, Jade Lachance-Blouin. Il n'a vu que 2 tirs s'amener sur elle pour l'instant. Proulx au cercle de mise en jeu devant D'Alessandro. D'Alessandro qui perd son duel. Jobin va reprendre, remet dans le coin, mais on avait bien lu le jeu. Ça revient à Le Sage à la ligne bleue. Un tir qui est bloqué par Proulx. Proulx qui cherchait le disque. Là. On a... toucher la rondelle au vol. On revient le long de la rampe. Il y a chute de Lalonde. Morin va s'approcher. On fait bonne pression sur elle. C'est Van Winden là, qui perd le disque. On revient vers l'intérieur.
Et c'est encore une fois un bon travail de Graham qui remet derrière à Cachero. Un tir, c'est bloqué en défensive. On cherche le disque. Encore une fois, ça c'est au tour de Van Winden de chercher la rondelle. Ça revient à la ligne bleue. Un tir, arrêt de la gardienne. Ça reviendra à nouveau à Cachero qui tente de ramener la rondelle devant. Alors, des bons moments là, pour les Islanders qui s'imposent en territoire offensif. Et encore une fois, ben, Graham qui complète bien le travail, tente de revenir à l'intérieur. Il y aura pénalité. On a fait chuter Graham. Donc, Toby Graham qui a été une des joueuses dominantes vendredi soir dernier, poursuit son travail. Et après avoir donné quelques chances de marquer aux siennes, ben, vient provoquer cette pénalité. Laurie Van Winden qui est amenée au banc des pénalités. Premier avantage numérique pour les Islanders aujourd'hui. Et on va amener au cercle de mise en jeu Barbirati. L'enjeu qui sera récupéré par les Islanders. On remet derrière à D'Alessandro, transversal. On est venu intercepter cette passe. Bon bâton en défensive de Roger. On revient à D'Alessandro qui cherche la ligne de tir. On revient dans le coin. On revient vers D'Alessandro qui tire. Il rate la cible. C'était passé bas le jeu en triangle. Bien joué là, entre les deux coéquipières. On revient à Lesage. On revient maintenant à Loscoda. Loscoda qui tentait la partie supérieure. C'est bloqué par la gardienne. Dégagement qui... qu'on a échoué et finalement, ben, c'est Boutin qui complète la manœuvre. Premier dégagement et belle incursion. Ben, bonne première présence de la part de l'unité offensive du côté des Islanders. Passe qu'on voulait amener vers Charbonneau, passe qui manquait de précision. Ça sera converti en dégagement. On va revenir près de la gardienne Anaël Gagné. Encore une 15 à faire à cet avantage numérique. Et on a nivelé le pointage au niveau des tirs au but, 5 contre 5. Morin, vers son duel, ça revient rapidement vers le capitaine Charbonneau. Charbonneau s'amène en territoire offensif, freine, regarde derrière pour D'Alessandro, mais passe qui manque de précision. Et c'est passé au bout de la lame du bâton d'Alessandro, c'est devenu un dégagement. Un dégagement en faveur des Cougars, passe ratée de la part de la capitaine Charbonneau, attention, revirement au territoire, un tir, le retour, on récupère et à deux reprises, il y avait Morin qui était resté fin seul derrière. Morin a un peu précipité son geste. Gagné s'était accroupi et a réussi à faire l'arrêt deux fois plutôt qu'une. Lacombe qui remet derrière, c'est pour Cachero. Alors on a donné une bonne chance de marquer aux Cougars. Cougars qui sont encore en désavantage numérique. Cachero remet vers Lacombe. Lacombe se fait barrer la route. Ça revient à Vanout Cachero qui remet du côté gauche à Graham. Graham tentait de ramener le disque vers Cachero qui avait convergé vers le devant du dé. On l'amène vers Pastelon de la rampe. C'est mettre pour Forant à la ligne bleue. Un tir du camp défensif. On est sautillante. On pilote. Et là, ben, on a encore une fois réussi à gagner ce combat un contre un. Les joueurs des Islanders qui réussissent régulièrement à s'imposer physiquement. On sait que plusieurs joueuses qui, physiquement, sont dominantes et utilisent bien leur force physique et leur poids pour séparer, justement, le joueur de la rondelle et récupérer, justement, ce disque. Remet vers l'intérieur. Bertrand, on est remis à force égale. Disque qui est remis derrière. C'est Roger qui pousse plus loin. On remettra en contre-courant. C'est l'arrivée là, qui ramène le disque corridor droit. Rondelle qui va le long de la rampe. Gervais s'est avancé. Disque qui est récupéré derrière par Forant. Forant, l'un des éléments clés lors du match de vendredi. Rondelle qui revient maintenant le long de la rampe. On vient lober cette rondelle. Blanchard qui va tenter de faire pression. On l'a devancé. Ça revient maintenant vers Morello qui tentait de placer la rondelle dans le fond de territoire. Rondelle sautillante qui est reprise par Bordelot. Bordelot remettra à contre-courant, c'est vers Saint-Pierre qui récupère le disque et remet immédiatement vers l'intérieur à Bertrand. Et c'est plutôt Veilleux. Veilleux qui a placé la rondelle en fond de territoire. Ça reviendra vers Morello le long de la rampe. Qui fait dévier vers l'intérieur. Deuxième tentative, remet à Loscoda. Loscoda qui dirige le disque vers Barbirati, qui a elle-même devancé la rondelle. On va donc reprendre en territoire neutre, juste devant le banc de l'entraîneur Patrick Jonca. 8 minutes 12 secondes encore à faire en première période. Il y a 8 tirs contre 5. Pendant qu'on s'installe, encore une fois, ben, comme on l'a vu d'entrée de jeu, Barbirati devant Pro.
Belle qui est récupérée derrière. On remet à Marié Bonhomme. Marié Bonhomme vers l'intérieur. C'est pour Boutin. Boutin qui a vu cette rondelle qui était... qui aurait dû être capté par un joueur de crosse, une rondelle qui était dans les airs. Sortie de zone maintenant de Proulx qui pousse le disque plus loin. Lavorel qui tente de le reprendre. On bataille le long de l'arbre. Skaudan s'est amené en appui, récupère le disque et l'envoie dans le corridor opposé. C'est Barbirati qui tente de récupérer cette rondelle. Boutin était plus rapide. On revient vers Proulx. Proulx remet de l'autre côté. Retour et là, arrêt de gagner. Bon travail le long de la rampe. Et Côté et Proulx s'imposent. Et on vient défier la gardienne encore une fois. Et Catherine Proulx, depuis le début du match, connaît de bonnes présences. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'enclave, se donner en cible. Et là, ben, Côté et elle viennent encore une fois de défier la gardienne. Les Cougars qui, si elles se donnent une avance de quelques buts tôt dans le match, vont compliquer les choses pour les Highlanders. Du revers, rondelle qui va dans le coin opposé. Graham vient le récupérer, remet à la ligne bleue. Un tir qui vient toucher les jambières, l'arrivée qui a bien réagi. S'est amené directement sur Roger pour lui barrer la route et devait faire rapidement puisqu'elle aurait pu aller se magasiner une petite pénalité pour obstruction, mais elle a réagi rapidement, donc ça a bien passé. Risque qui revient à la ligne bleue. C'est Le Sage qui tente de ramener là, ben, disque qui a été dévié juste devant le filet par Graham. Et la gardienne, la chance de loin, qui sort la jambière pour faire l'arrêt. On revient là derrière Jobin. Jobin qui reprend, remet le long de la rampe. C'était à la faveur de Prévost qui a fait des vies en territoire neutre. Et là, ben, Prévost qui a bien lu ici, là, lorsque Forain a voulu revenir vers la rampe, était bien placé. Et Forain est entré en contact avec elle. Donc, belle lecture de la recrue Prévost. Rondelle qui revient maintenant. Forant s'est avancé. Replace le disque derrière. Marié Bonhomme reprend. Marié Bonhomme tente de remettre vers l'intérieur. Et là, ben, mauvais jeu là, de la vétérane. Il y avait Larouche qui était dans la zone d'une zone froide le long de la rampe avec personne sur elle. On a tenté de ramener vers le centre. Et ça a passé bien près de revirement. Là. Disque qui est récupéré maintenant par les Highlanders. On ramènera les Cougars dans leur territoire. Boutin reprend. Boutin. Immédiatement se met en marche, remet vers la rouche et vers l'intérieur pour Verpasse. Verpasse amène en territoire offensif. Verpasse qui glissait la rondelle vers la rouche. La rouche qui avait coupé vers l'intérieur. Là. On y allait pour un jeu en croisé. Et attention, là, Morin. Morin reprend. Morin, il va d'un tir. Ce n'est pas cadré, ça va aller le long de la rampe opposée. Proulx va reprendre. Proulx tente un tir. Le retour. Morin reprend. Morin vers l'intérieur pour Côté. Le retour et on marque! Eh bien, le premier trio du côté des Cougars qui s'impose. Et Catherine Proulx, je vous en ai parlé depuis le début du reportage. Eh bien, on l'avait senti venir, celui-là. Proulx donne les devants aux Cougars, 2-0. Et on va voir encore une fois le trio des Cougars qui s'amène. Bonne pression offensive. On va revenir vers l'intérieur. Risque qui va revenir long de la rampe. On revient. Un tir. Le retour qui est pris. Et les Cougars qui se donnent les devants par 2 buts. C'est 2-0. Et une première période qui est à l'avantage des Cougars. Et là, ben, un match qui, pour l'instant, est tout à l'avantage des Cougars qui ont réussi à s'imposer depuis le début. 11 tirs contre 6. Rondelle qui va à Le Sage. Le Sage qui ramène le disque vers le long de la rampe. C'est Le Skaudan qui fait dévier en territoire des Cougars. On bataille dans le coin. Le Skaudan récupère, remet vers Forant derrière. Disque qui est replacé en fond de territoire. Et Graham se fait soutirer le disque. Et là, ben, encore une fois, contact sévère. Là, Le Sage sur son opposante. On tente de revenir vers l'intérieur. C'était pour Graham. Une rondelle qui va. C'est pas Graham, mais bien. Barbirati qui s'était faufilé entre les deux défenseurs. Eh bien, on devra faire un peu mieux. Les Highlanders qui connaissent quand même de bonnes présences, mais sont moins imposantes que ce qu'on a vu du côté de John Abbott vendredi soir dernier. Donc, on devra rehausser ça d'un cran. Les Cougars qui ont pris les devants par 2 buts. Disque qui revient derrière. C'est une rondelle qui est reprise par Côté. Côté qui tentait de pousser ça plus loin. C'est Graham qui intercepte. On reviendra côté opposé.
Marie Bonhomme qui a remis le disque vers Faux qui fait dévier plus loin pour côté. Attention, Morin de l'autre côté. Morin reçoit le disque, était dans ses patins là. C'est repris par côté vers l'intérieur. Marie Bonhomme s'est avancé. On a barré la route à Proulx. Proulx à Marie Bonhomme. On remet maintenant dans le coin. Côté qui s'est donné en cible. Remettra derrière le filet pour Morin. Morin tentait de remettre vers l'intérieur. Côté. Côté qui se voit soutirer le disque par son opposant de Graham. Mais c'est intercepté par Marie Bonhomme à la hauteur de la ligne bleue. Donc, il a bien protégé la ligne bleue. Disque repris derrière par D'Alessandro qui se met en marche. D'Alessandro, placement de rondelle, en fond territoire, c'est pour Lalonde. Lalonde qui sera devancée par Boutin. Boutin remet le disque le long de la rampe. Et là, ben, c'est Prévost qui est bousculé par son opposante D'Alessandro. On réussit tout de même à récupérer le disque. Forant là, qui est venu barrer la route et s'est récupéré par Verpas qui va d'un tir. Attention, c'est toujours libre. Et là, ben, il y aura eu. On l'a très bien vu, là, c'est une pénalité pour obstruction qui sera certainement appelée. Effectivement, c'est confirmé par l'officiel. On a très bien vu lors de la sortie de zone, on s'en allait à 3 contre 2 et on est venu barrer la route à la joueuse des Cougars. Et les Islanders qui, pour l'instant, écoutez, semblent avoir les jambes un peu lourdes en ce début de rencontre. Et on est venu pêcher justement par obstruction, donc plutôt que de se déplacer et d'accélérer, les pieds ont cessé de bouger et on a pris la pénalité. Et depuis le début du match, les Islanders qui... semble un peu plus lente. Rondelle qui est reprise dans le coin, on remet vers l'intérieur, à la ligne bleue maintenant. Rondelle qui est remise à Jobin. On reviendra en fond de territoire. Travail de Blanchard. Et on travaille en fond de territoire. Blanchard qui a dirigé le disque vers Bertrand. Bertrand qui chute. Rondelle qui est sous la joueuse des Islanders. On tente de faire bouger le disque. Et c'est sorti de là, on revient à la ligne bleue. Jobin, remet à nouveau merveilleux, un tir. Rondelle qui est dans les airs. Et il y aura pénalité. Pénalité qui est appelée derrière. On a fait crouler pour Rudess. La joueuse des Islanders sera punie. Bien là, écoutez, rien ne va plus pour les Islanders. L'arrivée qui sera chassée pour Rudess pendant que la joueuse des Cougars, elle, est toujours au sol. Eh bien, il reste encore 1 minute 24 secondes à faire à l'avantage numérique, donc la pénalité qui avait été donnée à Forant. Forant qui est évidemment là, une joueuse d'impact du côté des Islanders. Et là, ben, on amène une seconde joueuse au banc des pénalités. Alors, il y aura double avantage numérique pour 1 minute 24 secondes. Pendant que Anne-Sophie Bertrand, elle, revient au banc péniblement. Alors, double avantage numérique pour 1-24, les Cougars. Qui pourraient accentuer leur avance et compliquer la vie des Islanders qui, je vous le rappelle, luttent pour leur survie. Si les Cougars gagnent aujourd'hui, ben, se dirigeront, auront leur ticket pour la finale. Donc, Boutin. Boutin qui fait feinte de donner la rondelle et finalement va s'installer vraiment à Proulx. Proulx, il va d'un tir. C'est hors cible. Ben, bon travail de Boutin qui a amené tout le monde tout doucement en territoire offensif. C'est elle, Boutin, qui reprend. Boutin. Boutin qui cherche la ligne de tir, remettra de l'autre côté à Boutin. Boutin, un tir sur réception, rondelle au vol, on revient vers l'intérieur, Proulx qui est là, ça revient à Boutin derrière, un tir, rondelle qui rate la cible, c'est récupéré par les Cougars, on s'échange la rondelle derrière la ligne début, Proulx remet derrière pour Boutin. Transversal à Marie Bonhomme, à Boutin à nouveau, Marie Bonhomme qui cherche à s'élancer, là. Il va d'un tir, le retour, rondelle qui revient, et on marque! Eh bien les Cougars, est-ce qu'on a marqué? Non! Eh bien, quel arrêt de la gardienne gagnée, la rondelle. J'étais convaincu que cette rondelle était derrière le filet. Gagné qui réalise un arrêt presque miraculeux. On a vu là, ses coéquipières venir donner une petite tape sur la tête. J'étais certain que Côté avait marqué sur cette séquence. 25 secondes encore à faire à ce double avantage numérique. Et Islanders avec le Serge qui tente de jouer la rondelle le long de la rampe.
C'est capté au vol. Et rondelle qui a été touchée plus haut que la hauteur permise. Donc, on va reprendre. On va reprendre en territoire neutre devant le banc de l'entraîneur Patrick Jonca. Alors, au cercle de mise en jeu, c'est Pro qui gagne son duel. Ça revient derrière à Boutin. Encore 12 secondes à faire au double avantage numérique qu'ont les Cougars. On revient à Morin. Derrière. Marié Bonhomme et Boutin changent de disque. Un tir. Retour. Et là, ça tue. Et on marque. Et cette fois-ci, ça y est, les Cougars inscrivent un troisième filet. C'est 3-0. Il reste encore 38 secondes à faire à l'avantage numérique. On a marqué alors qu'il restait une seconde à faire à la pénalité de Foran. Plus un avantage numérique des Cougars. On va voir ici, on s'avance en territoire offensif. On va réussir à s'échanger rapidement la rondelle derrière. Rondelle qui va revenir devant le filet. Un tir, le retour qui sera capté. Et on vient diriger la rondelle derrière la ligne des buts. Ben, les Cougars qui viennent de se donner une option, une première période qui est excellente. Pendant qu'on tarde à inscrire ce troisième filet au tableau indicateur. Roger remet derrière. Rondelle qui reviendra maintenant vers Jobin. Jobin vers l'intérieur. Blanchard qui reprend. Il est sorti vers le centre et qui sont très efficaces. Rondelle qui est reprise maintenant par Vertas, remet par Jobin de l'autre côté. On revient vers l'intérieur dans l'enclave. Et c'était bien passé ici. Blanchard qui a fendu l'air, ce sera récupéré par le Skodan. Un tir qui n'est pas cadré, ce sera repris maintenant par Verpas qui remet cette rondelle à Jobin, à Verpas maintenant. Verpas s'amène, Verpas qui place la rondelle en fond de territoire, disque qui est poussé plus loin par Prévost et c'est repris par Foran. Foran qui redirige la rondelle au centre, disque qui est poussé du bout du bâton à Pirolo. Pirolo là, qui chute, Boutin va venir récupérer cette rondelle et l'envoyer le long de la rampe opposée. Il va faire un peu plus rapidement là, et il semble avoir six joueurs. Effectivement, on les voit très bien. Là. Donc, pénalité de banc en fin de période. Donc, les Islanders qui auront l'opportunité de réduire l'écart qui les sépare pour un mauvais changement. Et c'est Jade Saint-Pierre qui viendra purger cette pénalité de banc. Bien, fin de période, 53 secondes, et on donne l'opportunité aux Islanders de revenir dans le match. Alors, avantage numérique, et sans grande surprise, on amène Barbirati au cercle de mise en jeu. Et c'est Morin, cette fois-ci, qui aura le meilleur. C'est intercepté, et ça a touché le filet protecteur. On a bien réagi dans le coin. Et les bâtons qui se sont touchés, donc semble dire que c'est un bâton qui aurait une rondelle qui aurait effleuré le bâton de l'Escaudan. Donc on va reprendre à l'extérieur du territoire des Cougars. Cette fois-ci, c'est Barbirati qui a le meilleur. Rondelle qui revient derrière pour le Sage. Le Sage tentait de placer la rondelle en fond de territoire. On l'a intercepté et on ramène les Islanders en territoire neutre. D'Alessandro remet loin de l'autre côté pour Barbirati, ça revient à D'Alessandro. En haut territoire pour le Sage. Un tir, ça a été dévié juste devant le filet. Tir qui n'est pas cadré. Et là, ben, on remet derrière. On s'était avancé. D'Alessandro qui s'est amené devant le filet pendant que loin derrière, lorsqu'au dent, il y a eu un contact sévère. Semble avoir été blessé. Il revient péniblement au banc là, pour un changement. Et c'est intercepté par Jobin. Belle lecture. On tentait de remettre à D'Alessandro. Encore 7 secondes à faire à cette période. Et pour l'instant, ben, les Islanders qui n'ont pas réussi à s'installer en territoire offensif. Et c'est là-dessus que ça va se terminer. Eh bien, j'ai rencontré l'entraîneur des Islanders avant le match d'aujourd'hui et également son assistante que je vous ferai entendre. Ben, vous aurez le plaisir de les entendre l'une derrière l'autre. Des propos intéressants là, qui viennent des deux entraîneurs du côté des Islanders. Alors, voici ce qu'avait à dire Noémie Marin avant le match d'aujourd'hui. Mon nom est Rémi Meunier. On est en direct de l'Arena Jane Eric Molson pour la présentation de ce match entre les Cougars et les Islanders.
du collège John Abbott. Noémie Marin, on est de retour à Lennoxville. On tire de l'arrière 2-0, mais s'il y a une équipe qui peut revenir de l'arrière, c'est bien les Islanders. C'est vous l'avez dit, parce qu'honnêtement, ils méritent un meilleur sort. Ouais, c'est exact. Puis je pense que les filles le savent aussi. Puis aujourd'hui, nos dos sont contre le mur, mais je pense que nos filles vont être prêtes pour une bonne partie. Et une raison pour laquelle on peut croire que c'est possible pour les Islanders de gagner 3 matchs en ligne, on a vu des jeunes femmes sur la patinoire qui sont extrêmement combatives là, ne sont pas sorties du plan de match même lorsqu'on a tiré derrière par 2 buts. On est venu chercher un autre filet pour ramener ça un but d'écart et l'effort a été constant là, pendant 60 minutes. Il y a à peu près 15 minutes dans le match où les Cougars ont eu dessus un peu, mais le reste c'était l'affaire des Islanders. Ben, je pense que les deux équipes ont bien joué. Je pense que Lennoxville, c'est une équipe qui est aussi très combative. Puis, faut être prête pendant 60 minutes. Je pense que, comme vous le dites, on peut pas lâcher la pédale pendant même 5 minutes contre une équipe comme ça. Puis, je pense que c'est un point que nos filles ont retenu. Puis, je pense qu'aujourd'hui, les filles, on arrive ici, puis elles vont être prêtes à se battre encore pour 60 minutes. Et c'est admis par l'entraîneur adverse. Une première période qui a été nettement à votre avantage. Et c'est pas parce que les Cougars ont mal joué, là, loin de là. Elles ont fait face à une équipe bien préparée, qui sont embarquées sur la patinoire avec le désir de gagner. Et c'est vous qui vous êtes imposé, c'est pas l'autre qui jouait mal. Mm-hmm. Ouais, non, je pense que j'étais très fière là, au début. J'étais très fière là, toute la partie. Oui, ben oui. Vendredi, des fois, ça va pas en notre faveur. On a réussi à compter beaucoup de buts cette année. Puis en ce moment, on cherche un peu les buts, mais je pense qu'en continuant de travailler fort comme ça, ça va mieux. Ah oui, parce que écoute, il y a même une joueuse de votre premier trio d'attaque là, qui aurait pu, elle seule, en marquer 3. Elle en a marqué une. Elle aurait pu facilement en marquer 3. Donc, un effort soutenu qui éventuellement devrait payer. Oui, exactement. Et qu'on ne change pas la manière qu'on veut jouer aujourd'hui. Je pense que nos filles vont avoir le couteau entre les dents. Puis, on veut revenir à John Abbott pour un autre parti. Ben écoute, c'est peu probable que ça finisse en 3. On se revoit possiblement vendredi soir prochain. Je te souhaite un bon match cet après-midi, Noémie. Parfait, merci beaucoup. Tracy-Anne Lavigne, oui. Tu travailles maintenant avec Noémie là, du côté des Islanders. Oui. Mais une ancienne joueuse du côté de Concordia. Oui. Tu es assistante entraîneur avec Concordia. Et vous avez toute une feuille de route là, du côté de Concordia. Qu'est-ce qui explique ça, qu'on ait autant de succès? Honnêtement, c'est le travail acharné des joueuses, des coachs. T'sais, Julie a commencé à coacher en... J'ai ma troisième année à Concordia, donc oui. En 2015 à peu près. Mais elle a amené tellement de bonnes affaires, elle a amené des bons coachs, elle s'est bien surrounded by, oui. by everyone, puis c'est vraiment ça, je trouve, qui a fait en sorte que Concordia, ils ont juste été en montant. Oui. Est-ce que tu vois une différence à l'époque où toi, tu étais joueuse avec Concordia? Oui, bien sûr. On a beaucoup plus de staff pour aider les joueuses à performer. Ils ont un lunch avant le match, ils ont un lunch après le match. On s'assure qu'ils ont des trainings, s'ils ont besoin de récupérer une semaine, ils vont avoir des sessions avec Lisa Marie Breton, qui est une ancienne de Concordia, qui travaille pour Concordia en ce moment. Puis on va avoir des sessions de stretching, de foam rolling et tout. Fait qu'on s'assure que nos filles sont prêtes à aller. On a tellement de sessions vidéo avec les filles juste pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, sur quoi qu'on peut travailler, c'est quoi qu'on a fait de bien aussi, bien sûr. Donc, ils sont très bien entourés, puis je crois que c'est ça qui fait en sorte que les filles ont un très bon succès. Est-ce que vous utilisez également, maintenant, on voit, il y a beaucoup de logiciels maintenant où on a des statistiques avancées, j'imagine que vous avez mis le pied là-dedans aussi. Là. Oui, bien sûr. On a une personne, on a plusieurs personnes, en fait, pendant le match qui prennent les stats des face-offs. Ils prennent les stats du temps sur glace aussi. Donc, on utilise toutes ces statistiques-là pour voir, OK, ça n'a pas bien été cette game-là, c'est quoi, sur quoi qu'on a besoin de travailler. On regarde les face-off, on les a toutes perdues, on n'a pas un super beau pourcentage, excuse-moi. Donc, tu sais, on voit avec ça, c'est quoi, sur quoi qu'on a besoin de travailler cette semaine pour s'améliorer pour le week-end d'après, pour les autres matchs. Donc, l'encadrement avec l'équipe, si on puis écoute, ça fait pas des millions d'années où t'es plus joueuse. Ouais. Cet encadrement-là, ce que je comprends, c'est que ça s'est nettement amélioré là, en quelques années où on amène justement de tout ce qui peut encadrer les jeunes femmes pour les faire performer. Là. Oui, c'est bien ça. C'est Julie, l'équipe, Caro, tout le monde, ils ont travaillé très fort pour justement avoir tout ce bon staff-là
autour des joueuses pour justement qu'il y ait plein de succès. Est-ce que la ligue professionnelle, l'arrivée d'une ligue professionnelle a une influence positive justement sur le fait qu'on vient encadrer ces jeunes filles-là pour peut-être les amener au prochain niveau? Oui, bien sûr. C'est sûr que ça les aide. Puis c'est justement avoir la ligue professionnelle, on voit maintenant qu'il y a quelque chose après l'université. Donc, c'est sûr que les pays voient ça. Puis si on les encadre bien, puis c'est le vidéo session, on voit ça dans le professionnel. Puis en l'ayant à l'université, ça les prépare justement à ça par la suite pour le professionnel. J'aimerais avoir ton œil d'entraîneur maintenant sur ce que tu vois dans la ligue collégiale. Bon, on sait, il y a une parité qui est en train de s'installer tout doucement. Il y a trois équipes qui sont en tête de liste, là, donc John Abbott, les Cougars et puis Limoilou. Oui. Après, ben, ça, c'est en train, les autres formations sont en train de tenter de les rattraper, mais si on regarde les meilleurs éléments du côté de la ligue collégiale, est-ce que tu vois un certain écart pour passer au prochain niveau, donc au niveau universitaire? Est-ce qu'il y a encore un bon quelques marches là à monter là, pour atteindre ce niveau-là? Oui, bien sûr. Veux pas à chaque fois qu'on monte de niveau, on prend les meilleurs du collégial qui vont tout à l'universitaire, on prend les meilleurs de l'universitaire qui vont au professionnel par la suite. Donc, c'est sûr qu'il y a un écart puis il y a un ajustement à faire. Donc, je crois que c'est important aussi au collégial de préparer les joueuses pour aller au niveau universitaire, comme on prépare les filles universitaires pour aller au niveau professionnel. Et peut-être les préparer à être un petit peu patientes également, parce que cet écart d'âge-là, lorsqu'on est habitué, par exemple, d'avoir un certain rôle plus important, et qu'on arrive à un niveau supérieur, on peut penser qu'on aura le même rôle, mais il faut être un petit peu patient. Là. Oui, c'est sûr. Faut, nous, on a un motto à Concordia, puis « everything is earned ». Il faut qu'ils travaillent pour leur nouveau rôle. Donc, s'ils rentrent dans une nouvelle équipe et ils n'ont pas le même rôle qu'au collégial, ce qui est normal parce que on prend pas mal des filles qui ont toutes le même rôle collégial et qui vont toutes dans une équipe, c'est sûr que le rôle va changer, mais ça, c'est juste une période d'ajustement. Puis, s'il y a les bons coachs qui les préparent à ce nouveau rôle-là, je crois qu'ils vont être capables de performer par la suite. Du côté des Islanders, vous avez quelques joueuses qui sont dominantes. Là. Elles sont vraiment, vraiment agréables à voir jouer. Oui. Vous aviez Lucie l'an dernier qui était excellente. Et on voit Gabrielle Santerre qui était ici l'an dernier qui connaît un parcours un petit peu exceptionnel. Mais oui, super en plus. Il y a quelques joueuses d'exception comme ça qui peuvent aller dans le niveau supérieur et déjà faire leur place, mais c'est pas la majorité. Là. C'est dire à quel point ces joueuses-là sont exceptionnelles. Là. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Ils font très bien, puis s'ils arrivent à l'université dans leur nouvelle équipe, puis ils sont capables de performer aussi bien que les joueuses, ben, ils méritent leur place sur la première, deuxième ligne, sur le power play ou le piqué et tout. Donc, moi, c'est juste une question, tu te présentes au camp, puis si tu es capable de montrer que tu peux performer mieux que les autres, ben t'as ta place. C'est simple comme ça. Quelle est la différence que tu vois, la principale différence que tu vois, justement, entre le niveau collégial et le niveau universitaire? Quelles sont les choses, les principales choses qui sont améliorées par les athlètes? Je dirais que c'est la vitesse d'exécution. Donc, juste la vitesse de prendre les décisions, les passes, le patin, c'est vraiment juste la vitesse être un step plus haut. Okay. Donc, vraiment la prise d'information. Oui, la prise d'information, la prise de décision. Donc, tu sais, prendre la décision avant de recevoir la POC, ouais. Et où la prochaine joueuse, ou c'est tout de suite, c'est quoi tu vas faire avant même d'avoir la POC. Donc, je dirais que c'est ça la grosse différence entre collégial et universitaire. Et une caractéristique qu'on demande maintenant aux gardiens de but dans le hockey moderne, donc de lire le jeu, de voir le jeu avant que ça se déplace. Ce qu'il y a, quelques années, on ne demandait pas ça au gardien de but. On disait, pensez-vous, laissez-moi la rondelle. Mais là, maintenant, on doit aussi demander ça au gardien de but. Oui, mais ils nous aident tellement, les gardiens de but. Tu sais, ils sont capables de voir tout ce qui arrive. Fait qu'ils savent, là, le défense qui se fait pincher, ben, ils ne savent pas nécessairement qu'il y a quelqu'un de libre de l'autre côté. Donc, oui. Si notre défense est capable de parler avec sa coéquipière, de dire reverse, peu importe, D2D, ben, ça va les aider. Puis, je pense même qu'on peut rattraper le momentum et rattaquer rapidement. Sans être pris dans une zone. En terminant, Tristan, on a une épaule au sol du côté des Islanders, mais s'il y a une équipe qui est capable de rebondir et d'aller chercher trois matchs consécutifs, c'est bien cette formation-là. Là. Oui, je viens d'accord. On a des joueuses, ils l'ont démontré vendredi, hein, des joueuses qui sont vraiment très acharnées, qui sont de bons compétiteurs. Là. Oui, donc, moi je suis sûr qu'on est capable de faire, il faut juste le faire. C'est vraiment simplement, ils ont tous les outils, ils ont tout pour performer puis gagner. Et c'est juste un mindset, il faut qu'ils soient prêts et qu'ils commencent quand le puck drop. Espérons au moins une chose, c'est que l'équipe sortira gagnante de cette série-là
à la fin qu'il y ait personne qui soit déçu de la performance qu'ils ont donnée. On a fait notre mieux et la meilleure équipe aura gagné. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour ton temps. Bon match. Merci. On est de retour à l'Arena Jean-Éric Paulson. Les Cougars, qui en espéraient pas tant, ont pris les devants par 3 buts. Donc, regardons rapidement ce qui s'est passé en première période. Donc, ça, est-ce que c'est... de la rampe, on est revenu dans le coin et je crois que ça, c'est plutôt la chance de marquer qu'on a eu en première période. Ça, on avait touché la barre horizontale. Par la suite, eh bien, tire. On va être qui va revenir devant pendant qu'on est en train de s'installer pour le début de cette deuxième période. On va être qui revient devant en pivotant sur elle-même, côté qui donne les devants au Cougar. 1 à 0. Et bien, écoutez, on y reviendra puisqu'on est prêt à partir au centre de la patinoire. Et là, on verra comment vont réagir les Islanders qui tirent de l'arrière par 3 buts, mais démarrent cette deuxième période en avantage numérique. Encore 1 minute 8 secondes. Et à défaut de marquer, bien, s'ils peuvent imposer le rythme. Et retrouver leurs jambes, parce qu'en première période, ben c'était un peu lent. Un dégagement qui est complété par les Cougars. Encore 50 secondes à faire à l'avantage numérique. Relance de Lesage qui remet vers Barbirati. De l'autre côté, c'était vers Lalonde. On remet vers l'intérieur. Disque qui est dégagé de devant le filet. On bataille le long de la rampe. C'est récupéré par D'Alessandro qui remet derrière. Ça va aller jusqu'à Barbirati, maintenant à la ligne bleue, à Lesage. Un tir, ça s'est rendu jusqu'à la gardienne. Et on a chassé justement la joueuse qui était devant le filet, c'est Boutin qui était là pour pousser la joueuse adverse, Lalonde. Évidemment, on devra rester bien discipliné du côté des Islanders. Charger le devant du filet, venir mettre du trafic devant la gardienne et se retirer lorsque le sifflet se fait entendre pour éviter le banc des pénalités. Le Skoda remet à nouveau le long de la rampe. On reviendra à D'Alessandro et maintenant en haut territoire. Et là, Ben Rondel qui a quitté le territoire. Blanchard qui fait pression sur le Sage, qui revient derrière, remet à Barbirati qui se met en marche. Un bon bâton en défensive, encore une fois, là. C'est Roger. Et là, D'Alessandro s'avance. Du revers, un tir, le retour. Et Fondette qui est allé complètement à la droite de la gardienne. Et Barbirati a vu le disque passer juste devant elle. N'a pas été en mesure de le saisir. Fondette sera jusqu'au filet. Et là, on vient sauver les meubles parce qu'on a marqué, oui. On a bataillé pour le disque. Et on a vu très bien vu cette rondelle qui était à la hauteur de la ligne bleue. Et les Islanders qui... vont réussir
à marquer et réduire l'écart à 3-1. On va voir le tir ici et on va s'approcher. Donc, rondelle qui va revenir devant et comme vous le voyez là, on a bien tenté de ramener la rondelle sous la gardienne. On croyait bien avoir réussi à le faire. Et la gardienne qui n'a pas fermé les jambières et on est venu récupérer cette rondelle de l'autre côté et marquer comme ça un premier but. Ben, c'est ce que les Islanders souhaitaient, marquer un premier filet tôt en deuxième période. Et maintenant, ben, tenter d'imposer le rythme. Boutin s'amène en territoire offensif. Boutin, il va d'un tir. Et arrêt de la gardienne Gagné qui ne cède aucun retour. On va reprendre à sa gauche. Ben, bon début de deuxième période pour les Islanders qui ont exactement le début de période qu'elles souhaitaient avoir. C'est-à-dire venir très rapidement réduire l'écart de 3 buts. Et maintenant, ben, espérons pour elles qu'elles retrouvent leurs jambes et qu'elles puissent imposer leur rythme. Elle est arrivée à gagner cette mise en jeu. Bon travail ici de Prévost. Tentait de remettre vers l'intérieur. On a intercepté le disque. Lacombe vient saisir. Tentait de remettre vers sa capitaine Charbonneau. Relance rapide vers Prévost. Prévost, une feinte. Et une rondelle qui va faiblement jusqu'à la gardienne qui laisse un retour. Et l'officiel a le bras en l'air pour avoir accroché. Les Islanders qui seront vraisemblablement chassés à nouveau. Et c'est Lacombe qui sera amené au condo privé de la Ligue pour un petit séjour de 2 minutes, aura droit au siège VIP. On va donc reprendre en territoire des Islanders et les Cougars qui ont marqué un peu plus tôt en avantage numérique auront l'opportunité de le refaire et de reprendre les devants par 3 buts. D'Alessandro à nouveau devant Proulx, c'est Proulx qui a le meilleur, remet derrière à Boutin. Boutin s'amène vers l'intérieur, Boutin remet à Marié Bonhomme, à Boutin nouveau en haut territoire. Du côté gauche à Proulx, à Boutin, vers Marié Bonhomme, un tir, rondelle qui touche les jambières de la gardienne. À nouveau, on tentait de remettre vers l'intérieur lorsqu'Audin intercepte, ça revient à Marié Bonhomme vers l'intérieur. C'est dévié, Morin qui a fait dévier cette rondelle. Bel arrêt de la gardienne gagnée, jambière bien placée au sol qui fait l'arrêt. La gardienne de Gagné qui donne beaucoup de retours devant elle. Donc, les joueuses des Cougars, si elles accélèrent vers le devant du filet, vont avoir des chances de récupérer les rondelles. Pendant que, eh bien, on voit au centre du territoire, bien assis au banc des Islanders, c'est la joueuse des Cougars, là, qui, porte qui était restée ouverte. Et c'est Marié Bonhomme qui avait croulé, là. Donc, une porte qui était ouverte à la hauteur du banc des Islanders, qui était coincée là. Jeu qui est rappelé à l'entrée du territoire. Pro. Et rondelle qui est récupérée par les Islanders. Marié Bonhomme remet à Boutin. Boutin vers l'intérieur. C'est intercepté. Boutin reprend. Boutin dans sa rondelle plus loin. Forant va intercepter. Ça revient le long de la rampe. Côté qui est là. Remet à Boutin. Pousse le disque plus loin. La faveur de Morin qui se fait bousculer. Cachero a une meilleure. Ce sera repris par Boutin lors de la rampe opposée. En temps de remettre vers l'intérieur, rondelle qui s'est rendue jusqu'à côté. Côté qui n'a pas été en mesure de maîtriser ce disque sautillant. Dégagement qui est complété par Vanout Cachero. Et à l'autre bout, Lalonde qui arrive en même temps que son opposante. Les deux jeunes femmes qui sont restées ensemble. Et Boutin vient récupérer cette rondelle. À nouveau vers Prévost. Prévost. Freine, ça mène le long de la rampe. Prévost qui bataille avec le Sage. Finalement, ben, avec l'aide de Blanchard, on récupère le disque momentanément. Mais le Sage va reprendre et compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Jobin devra faire vite. Devance Charbonneau. Jobin, une petite feinte, réussit à se libérer. Jobin se met en marche, remet vers l'intérieur. C'est pour Blanchard qui place le disque en fond de territoire. Blanchard va venir le récupérer avec Roger. Derrière maintenant pour Verpas qui ramène tout le monde en fond de territoire. Roger qui est frappé solidement là, par Le Sage, rondelle qui revient devant. Les spectateurs ici qui auraient bien aimé qu'une pénalité pour avoir donné un coup d'épaule soit appelée. Et là, ben, à 2 reprises, la gardienne fait l'arrêt. Disque qui est toujours libre. Ce sera récupéré finalement par Blanchard. Longue passe vers Morin qui s'échappe. Morin s'avance. Un tir. Touche le poteau.
Morin qui va remettre vers l'intérieur. Proulx et ses bloqueurs défensifs. Et là, on est allé de plein fouet sur le poteau. Relance de l'Escaudan. Un tir bloqué par la chance Blouin. Arrêt de la gardienne. On va reprendre à sa droite. Eh bien, Morin sur la petite chaise droite à la ligne bleue opposée s'est échappé. Tire directement sur le poteau à la droite de la gardienne de Gagné. Pendant qu'à l'autre bout, la chance Blouin s'était illustrée également. Là. Alors, les deux équipes qui se sont échangées, les tapes sur le nez. Deux bonnes chances de marquer, une de chaque côté. Monel qui est amené vers l'intérieur. Bon travail, on tente de revenir côté rapproché d'Alessandro. Bon travail, là. C'est elle, d'Alessandro, qui pousse pour elle-même. Regarde du côté de la ligne 2, ça sera fait pour l'arrivée. L'arrivée directement sur la ligne 2, on a fait dévier juste devant le filet. D'Alessandro qui reprend. Le long de la ligne bleue opposée, là. Le Sage récupère cette rondelle, revient vers l'intérieur. Proulx qui utilise la rampe vers côté, côté qui accélère, sera la première en territoire offensif. Jeu qui se poursuit, côté pivote sur elle-même, remet vers Proulx. On tente de revenir vers l'intérieur, c'est bloqué au vol par l'Escaudan qui se met en marche. L'Escaudan freine en haut territoire, remet vers D'Alessandro. D'Alessandro vers l'intérieur. Et là, ben, on avait tenté de remettre vers Barbirati et on marque. Eh bien, les Highlanders qui ramènent ça à un seul but, c'est 3-2. Relance rapide de la part des Highlanders. On freine et on va remettre. Et on voit là ici le jeu qui. Les deux joueuses qui sont été. Qui se sont fait attirer, qui ont été attirées par la même joueuse en offensive. Ça va revenir vers l'intérieur. Et on vient récupérer cette rondelle après l'avoir amenée à nouveau devant le filet. C'est 3-2. Rondelle qui est amenée maintenant en fond de territoire par Blanchard. On vient de lui soutirer le disque. Cachero, interception, ça revient en haut territoire, vers l'intérieur. Un tir, arrêt de gagner. Et encore une fois, Blanchard qui vient menacer la gardienne Gagné, qui là, ben, vient de donner une chance à son équipe de rester dans le match. On avait réussi à bousculer la défensive et la prendre en défaut. Les joueurs qui ont encore d'excellentes chances de marquer, mais... Les Highlanders qui profitent des chances qu'on leur laisse également et ramènent l'écart à un seul but, c'est 3-2. Qu'est-ce qui revient là, le long de la rampe? On tente de remettre vers l'intérieur, c'est fait pour Vanout Cachero. Placement de rondelle en fond de territoire et ce sera refusé. On juge que Cachero n'avait pas traversé la ligne centrale. On va donc reprendre près de la gardienne Gagné. Gagné qui s'est illustré à quelques reprises au cours des dernières présences. 21 tirs contre 15 en faveur des Cougars qui dominent également au pointage par la marque de 3-2. Verpasse au cercle de mise en jeu devant la Londe. Rondelle qui revient au centre du territoire. Ce sera récupéré par les Highlanders et on amène la rondelle en territoire des Cougars. Et là, ben, coup d'épaule sévère. Et encore une fois, là, on a bien vu la joueuse des Highlanders, Lacombe, qui y est allée d'un coup d'épaule. Encore une fois, là, un bon coup d'épaule le long de la rampe, les officiels qui laissent jouer. On a très bien vu ici, là, on n'a pas joué la rondelle, ça a été le coup d'épaule. Verpasse, qui utilise la rampe, va réussir à rejoindre Prévost. Ben, rondelle qui glisse plus loin, c'est repris par le Sage. Le Sage revient vers l'intérieur. Le Sage perd le disque, c'est repris par l'arrivée. Rondelle qui est poussée au vol et sera reprise par Jobin derrière, par la rampe. Rondelle qui est passée devant tout le monde, ça va aller faiblement jusqu'à l'autre bout. Ce sera refusé au Cougar, on va revenir près de la gardienne de la chance Blouin. Ben, quelques bons coups d'épaule qui sont distribués. Et les officiels cet après-midi qui ont décidé de laisser jouer. D'Alessandro au cercle de mise en jeu. Réussi à gagner son duel, ça revient derrière à Foran. On ramène la rondelle de l'autre côté, un tir. C'est bloqué au vol. Repris maintenant en haut de territoire, disque sautillant. On arrive à libérer, mais l'Escaudan va venir saisir cette rondelle.
repris derrière par Roger. Roger qui pousse plus loin vers Verpas, mais une rondelle que n'a pas vu venir Verpas. Ça touche l'arrière des patins maintenant de Larouche et ça favorise le travail des Islanders au centre du territoire. Rondelle sautillante, c'est récupéré devant. Attention, rondelle sautillante. La gardienne qui n'a pas réussi encore à immobiliser le disque qui est lors de la deuxième tentative, même la troisième. La chance de loin qui immobilise le disque. On va reprendre à sa gauche. Et bien, les Islanders qui, lors du premier entracte, sont retournés faire un petit tour dans l'autobus, sont allés chercher les jambes qui étaient restées là. Et on s'impose. Et encore une fois, ben, D'Alessandro, Barbirati et le Skodan qu'on a ramenés ensemble. On les avait séparés au premier tiers-temps et ça n'avait pas donné les résultats escomptés. D'Alessandro replace la rondelle en fond de territoire. Le Skodan va s'avancer, ramène le disque derrière. Et là, ben, cette fois-ci, c'est Marié Bonhomme qui est allé d'un coup d'épaule. Et le Skodan était blessé. Le Skodan qui est blessé à l'épaule revient très difficilement au banc. Le bâton qui est resté sur la patinoire. Le Skodan pourrait peut-être être à l'écart du jeu pour le reste de la partie. Il semble avoir été blessé. Transversal, un tir. Marié Bonhomme qui tente un tir à ras la glace. Morin qui était devant le filet. Remet à contre-courant pour Proulx. Proulx qui revient sur ses pas. On l'a fait chuter. Rondelle qui revient vers Proulx. Ce sera repris par D'Alessandro. D'Alessandro par la rampe. C'est intercepté par Marié Bonhomme qui ramène les Islanders dans leur territoire. Disque qui sera récupéré derrière. Il y a Blanchard qui s'est avancé. Rondelle sautillante. Ça revient à Gervais. Gervais qui ramenait le long de la rampe. Gervais va revenir toucher à cette rondelle. Ça revient derrière. C'est récupéré par l'arrivée qui remet, elle, vers le Sage à l'arrivée. Rondelle qui va le long de la rampe, récupérée par les Cougars de Gervais maintenant, qui tentait de remettre vers Roger. On lui barre la route. Bon travail de Graham. Graham et Lalonde qui travaillent le long de la rampe. Finalement, ben, on aura le meilleur du côté des Cougars avec Larouche maintenant. Larouche un tir, bloqué en défensive. Ça lui revient, remet derrière. Et c'est finalement Bordelot qui va s'avancer pour reprendre cette rondelle. Bordelot tentait de remettre vers l'intérieur. C'est bloqué par Lalonde. Lalonde, le long de la rampe. Un lob qui sera repris en territoire central par Gervais. Gervais qui voit sa tentative de progresser bloquée. Et finalement, ben, il y aura pénalité pour un coup de bâton. Appel qui a été fait par l'officiel derrière le jeu. Et c'est Gervais qui va être chassé. Gervais qui ne semble pas tout à fait d'accord avec peut-être que ça s'est passé le long de la rampe. Honnêtement, je n'ai pas exactement vu le geste qu'on a reproché à Gervais. Et les Islanders qui vont retourner en avantage numérique avec l'opportunité de créer l'égalité. Alors qu'on a été très permissif sur quelques bons coups d'épaule qui ont été donnés un peu plus tôt. Elle qui est récupérée par D'Alessandro. Le long de la rampe maintenant, Morin bataille avec D'Alessandro qui reprend à Barbirati, à gauche. Barbirati, placement de rondelle en fond de territoire. Ça va aller jusque derrière le filet. On bataille pour la possession du disque. Ce sera récupéré par Graham qui remet Barbirati dans l'enclave. C'était pour D'Alessandro. Disque sautillant. Et là, ben, le Sage a été un peu chanceux de récupérer cette rondelle. Un tir, le retour. C'est passé juste devant le bâton de Barbirati. La gardienne de la chance de loin qui s'est avancée pour faire l'arrêt. La rondelle qui est passée devant le filet qui était pratiquement libre. Là. Dégagement complété par côté. Morin sera là la première derrière. Là. Morin. Morin qui n'a pas réussi à immobiliser le disque. Ça reviendra le long de la rampe. C'est poussé plus loin par Blanchard. De l'autre côté, Lalonde récupère. Lalonde vers Le Sage et on remet à nouveau vers D'Alessandro qui accélère. D'Alessandro avec Verpas à ses trousses. Bordelot va tenter de reprendre. D'Alessandro protège bien le disque et vient le reprendre, remet à Le Skodan. Le Skodan dans le coin. Le Skodan qui bataille contre Van Weyden. Et finalement, ben, dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Cachero va venir saisir cette rondelle. Blanchard reprend, remet vers sa capitaine. Et on bataille le long de la rampe. Travail de Marié Bonhomme qui a poussé plus loin. Attention, Verpas va venir saisir le disque. Verpas s'amène en territoire offensif. Remet derrière pour Morin. Revirement ici, là. Cachero qui reprend. Et heureusement, on a réussi à toucher à cette rondelle.
Derrière, Charbonneau remet devant. Ça va glisser jusque de l'autre côté, vers l'intérieur. Ça, heureusement pour les Cougars, Graham a touché la rondelle avec l'arrière de la lame de son bâton. Ça revient dans l'enclave. Et dégagement qui est complété par Morin. Mais quelques bonnes chances marquées par les Highlanders. Et on joue de malchance là, du côté des Highlanders. Les rondelles qui reviennent directement dans l'enclave. Et on est tout juste à une enjambée de pouvoir capter ces rondelles alors que la gardienne est prise hors position après avoir réalisé le premier arrêt. On est revenu à force égale. Disque qui est ramené derrière, hors jeu à l'entrée du territoire. On va reprendre devant le banc de l'entraîneur Noémie Marin. 8-23 à faire, les Highlanders qui, après le premier tiers-temps, tiraient derrière 3-0, ont marqué deux fois sans riposte. C'est 3-2. 22 tirs contre 18 en faveur des Cougars qui ont toujours les devants par un but. Rondelle qui est récupérée par les Cougars, disque sautillant. On va s'amener rapidement à Larouche qui est tout juste devancée par l'arrivée qui ramène le disque corridor droit. Rondelle qui a été touchée de la main par Blanchard. Ça a quitté la surface glacée. On va reprendre devant le banc de l'entraîneur Jonca. Avec 8 minutes 11 secondes à faire à cette deuxième période. Autre changement, on amène devant Barbirati. Combinaison qui a été gagnante jusqu'à maintenant pour les Cougars. Mais on a ramené Barbirati d'Alessandro et Loscoda ensemble, alors qu'en première période, on les avait séparés. Risque qui est récupéré le long de la rampe. C'est poussé plus loin dans le coin. L'arrivée qui immobilise le disque. On travaille en récupération. Et D'Alessandro va hériter de cette rondelle et accélérer. D'Alessandro en territoire offensif. D'Alessandro là, qui contourne la défensive. Toujours en possession de la rondelle. Remet à la ligne bleue pour Foran. Foran dans le coin pour Loscaudan. Loscaudan pivote sur elle-même. On tente de récupérer la rondelle. On est dans le coin maintenant. Ben, bon travail. Et c'est Côté qui va reprendre et dégage son territoire. Ce sera récupéré derrière par Foran. Foran par la rampe. C'est poussé plus loin. Barbirati avec D'Alessandro. Barbirati vient récupérer cette rondelle. Remet de l'autre côté vers le Scodan. Et c'est intercepté par Marie Bonhomme au centre. On tentait de rejoindre Côté. Et c'est un dégagement qui sera refusé aux Cougars. On devra revenir près de la gardienne de la chambre Douin avec 7 minutes, 7 secondes encore à faire à cette deuxième période. Mise en jeu en territoire des Cougars. Et cette fois-ci, c'est Lalonde qui va s'amener au cercle de mise en jeu devant Prou. Lalonde dans le meilleur, on revient derrière. Un tir qui est hors cible. Je crois que la gardienne a vu apparaître cette rondelle à la toute dernière seconde. Rondelle qui revient le long de la rampe. On voit un combat qui est gagné par les Highlanders. On reviendra. Et là, ben, revirement, Graham. Graham qui récupère le disque, un tir qui n'est pas cadré. Ce sera repris en territoire neutre, ben, en pivotant sur le même. Et repris derrière. Ben là, encore une fois, on a réussi à toucher au disque. Morin qui va placer cette rondelle en fond territoire. Et là, on en avait assez vu du côté du trio de Prou. Des changements qui sont appelés et on revient avec le trio de Vertas. Prévost tente de remettre vers l'intérieur. Lalonde intercepte. Bon travail ici de Gagné. Rondelle qui revient derrière. C'est Bordelot qui reprend. Coupe vers l'intérieur. Remet à Gagné. Gagné tente de venir récupérer cette rondelle. Vertas. Attention, Prévost est seul devant. Prévost derrière maintenant. Rondelle finalement qui était interceptée en défensive. On n'a pas été en mesure de lancer. 3 contre 2 maintenant. Pirolo. Pirolo remet derrière à Lalonde. Lalonde de l'autre côté pour la capitaine. La capitaine qui avait convergé vers le devant, c'est Pirolo qui a reçu le disque à nouveau. Et Gagné maintenant. Gagné à Verpas qui s'amène en territoire offensif. Verpas pousse pour elle-même. On lui bat la route. Il y aura pénalité. Cachero qui se fait prendre pour obstruction sur cette poussée de Verpas. Et on va retourner en avantage numérique pour les Cougars. Alors, Benoît Cachero amené au condo privé de la Ligue. Les Cougars qui pourront déployer leur avantage numérique. Et on va amener Côté, Morin, Prou,
Marié Bonhomme et Boutin derrière pour les Cougars. Et on amène dans l'offensive également là, du côté de ceux qui se défendent. Marié Bonhomme vers l'intérieur maintenant pour Boutin à Marié Bonhomme. Dans le coin pour côté. On tentait le transversal. Boutin va s'avancer. Attention, on joue du bout du bâton sur D'Alessandro. Lalonde récupère derrière et complète le dégagement. Pendant que de l'autre côté, le Scaudan sera là la première. Le Scaudan, là, on sait, il est dangereux. On vient lui soutirer le disque et on reprendra avec Boutin derrière qui sera à l'origine de la relance. Boutin. Boutin qui conserve le disque. Boutin qui hésite et finalement va placer la rondelle en fond de territoire. Il y aura pénalité. Pénalité pour coup d'épaule. Ben, on en a laissé passer quelques-uns. Et là, ben, cette fois-ci, on redonne un double avantage numérique aux Cougars. Et bien Lamoureux, sous cette incursion de Boutin, là, est venu clouer Boutin sur la rampe. Puis, il y a eu des contacts plus sévères que ça un peu plus tôt. Et là, ben, on sévit. Alors, double avantage numérique pour les Cougars qui ont marqué en pareilles circonstances un peu plus tôt dans le match. Alors, temps d'arrêt appelé par les Cougars. On va pouvoir amener les meilleurs effectifs, évidemment, dans la mêlée. Ça va servir un peu également la cause des Islanders, puisque à trois, on va vouloir amener également les joueuses qui sont un peu susceptibles de passer à travers cette séquence d'une minute 21 secondes. Ben, belle opportunité aux Cougars. Pendant que Barbirati, elle, semble se sortie, semble avoir un problème avec un patin. Et les joueuses qui sont rappelées au cercle de mise en jeu. 5 minutes 6 secondes à faire à ce deuxième tiers-temps. Les Cougars qui retournent en avantage numérique, mais un double avantage numérique pour 1 minute 21 secondes. Mise en jeu gagnée par les Islanders. Tentait de compléter le dégagement, c'est repris à la ligne bleue par Boutin. Remet à Marié Bonhomme, à Boutin. Boutin, le long de la rampe, et là, on tentait de remettre rapidement vers l'intérieur. Ce sera repris par Marié Bonhomme, à Boutin. À Marié Bonhomme. Marié Bonhomme vers l'intérieur. On visait côté. C'est Morin qui était là. Marié Bonhomme vers Boutin. À Marié Bonhomme là, qui, attention, devra faire vite. Là. Forant qui aurait pu s'échapper. Elle voit revient à Boutin. À Marié Bonhomme. Marié Bonhomme, un tir. Encore une fois, c'est Prou qui était cette fois-ci près du poteau. Prou de l'autre côté pour côté. Côté transversal, Boutin à Marié Bonhomme, à Boutin. On fait descendre la défensive, un tir qui est hors cible. Encore 24 secondes à faire au double avantage numérique. Boutin. Boutin qui ramène à Prou. Prou vers côté. Côté derrière le filet. Côté, toujours patiente. Là. À Marié Bonhomme, à Boutin. Et là, ça touche l'arrière des patins de côté. Ce sera dégagé jusqu'à l'autre bout. Et ça met un terme à ce double avantage numérique. Encore 36 secondes à faire à l'avantage numérique simple. Et il y a un joueur de trop sur la patinoire. Deuxième pénalité de banc contre les Cougars. Eh bien, les Cougars qui sont chassés pour une deuxième fois. 6 joueuses sur la patinoire. Et on les a très bien vus. Ben, ça met un terme à l'avantage numérique des Cougars et ça va donner un avantage numérique aux Islanders. Ben, on devra être un peu plus concentré au banc des Cougars puisque
C'est pas assez gros réclamer 200$ sans avoir fait grand-chose. Deux pénalités de banc au Cougar aujourd'hui. Là. Qui revient devant. Disque qui ira de côté opposé. On est à 4 contre 4 pour encore 20 secondes. Donc, Charbonneau qui reprend, remet à Graham de l'autre côté pour Cachero. Cachero, un tir. C'est dévié, c'est passé à la droite du filet. On bataille toujours là derrière. Verpas qui intercepte et Verpas accélère. Verpas va s'amener dans le territoire offensif, pousse le disque en fond de territoire pour elle-même. Verpas vient le récupérer. Verpas toujours en possession de la rondelle. Tente de remettre vers Blanchard, mais on lui a barré la route et c'est repris par Charbonneau qui remet de l'autre côté à Cachero. Cachero qui ramène la rondelle en territoire des Cougars. Et c'est Gervais là, qui a été devancé par le Skodan. Le Skodan qui va reprendre, remet le disque de l'autre côté. On va réussir à garder cette rondelle en territoire offensif. Remet vers l'intérieur du revers. Et de l'autre côté, il n'y a plus personne dans le but. Et Barbirati qui a vu la rondelle aller juste derrière elle. Tout le monde avait mordu, la gardienne, le défenseur. Le but était vide. Un tir bloqué. On revient. Tir à nouveau dévié. On est en avantage numérique là, du côté des Islanders. On revient au territoire pour le Sage. Le Sage avec Barbirati. Barbirati qui récupère et revient près de la ligne bleue. Placement de rondelle à fond territoire. C'est Jobin qui intercepte. Jobin qui bataille. On se met à deux pour tenter de récupérer le disque. Jobin qui a chuté. Jobin qui tente de garder cette rondelle le long de la rampe. On se met à deux pour tenter de récupérer à trois, maintenant à quatre. Et là, Skodan qui réussit à sortir avec la rondelle. Le Skodan remet vers l'intérieur. C'est bloquant défensif. Le Skodan récupère. Le Skodan regarde vers l'intérieur. Transversal. Disque qui se rend faiblement jusqu'à la gardienne. Et la chance de loin immobilise avec 5 secondes à faire encore l'avantage numérique des Islanders. On va reprendre à la gauche de la gardienne. La chance de loin encore une 41 à faire en deuxième période. Et on reprend en territoire des Cougars, mise en jeu qui sera rappelée. On va chasser D'Alessandro du cercle de mise en jeu, semble-t-il. Et c'est Barbirati qui va venir la remplacer. C'est Proulx qui est au cercle de mise en jeu pour les Cougars. Et Proulx aura le meilleur, glisse le disque derrière. Marié Bonhomme l'a récupéré momentanément, mais le Skodan a eu lui soutirer le disque. On est revenu à force égale, pénalité terminée. Le long de la rampe, rondelle qui est récupérée par Marie Bonhomme. C'est Côté qui reprend et dirige le disque vers Proulx. Proulx tente de progresser en territoire offensif. Proulx qui perd le disque, c'est repris derrière. Et là, bon travail d'Alessandro en territoire offensif. Là. D'Alessandro, il va d'un tir. Rondelle qui est libre et finalement, ben, c'est récupéré pendant que la capitaine Charbonneau qui sera vraisemblablement chassé, officiel qui est tombé au sol, ça a brassé. Là. Charbonneau a fait crouler deux joueuses, distribuer deux doubles échecs et elle sera chassée. On a vu deux joueuses des Cougars là, qui se sont ramassées les quatre fers en l'air. Et est-ce qu'on amènera également Marié Bonhomme, ben oui, donc il y aura des mineurs doubles. Charbonneau s'est fait plaisir là-dessus. On l'a vu bousculer deux joueuses des Cougars qui ont coulé. Et Marié Bonhomme sera chassé également. Bon, ben, on restera à égalité numérique. Donc, on appelle des mineurs doubles. On restera donc à 5 contre 5. Charbonneau et Marié Bonhomme au banc des pénalités. À nouveau, c'est D'Alessandro et Proulx. Proulx aura le meilleur. Côté récupère derrière. Remède à composer. Attention, là. C'est D'Alessandro qui sera là la première. Disque qui est reprise par Proulx. Proulx qui utilise la baie vitrée. Le Sage intercepte. C'est repris et poussé plus loin pour Côté. Côté tente de revenir vers l'intérieur. Cède à Morin. Un tir! C'est hors cible. Ça va de l'autre côté. Jobin intercepte. Disque qui revient vers l'intérieur. Ça va à la ligne bleue.
un tir bloqué en défensive. C'est remis vers l'intérieur et contre-attaque de Lesage. Et il y aura pénalité d'appelé pour coup de bâton. Les Cougars qui sont chassés avec 33 secondes à faire et c'est Catherine Fou qui sera amenée au banc des pénalités. Ben, plusieurs pénalités qui sont appelées dans cette deuxième période et on s'échange les politesses. Et on donne vraiment la chance aux Islanders de revenir dans le match. Eux qui tiraient de l'arrière 3-0 après la première période ont marqué deux buts en deuxième. Et retournent en avantage numérique avec 33 secondes à faire à la deuxième période. Dans le coin, là, c'est Jobin qui tente de clouer la rampe, la rondelle contre la rampe. Verpas va venir le récupérer. Et Verpas se met en marche. Verpas garde possession du disque, pousse la rondelle en fond de territoire pour elle-même. Cachero sera là la première. Cachero qui immédiatement... Il va de la relance, conserve le disque, elle est en territoire neutre. Cachero récupère cette rondelle à la combe derrière, de l'autre côté. Graham, il va d'un tir du bout de la jambière, arrête de la chambre loin. Et c'est une rondelle qui a été récupérée en défensive dans le coin. Et c'est là-dessus que ça se termine. Ben, après 40 minutes de jeu, les Cougars sont toujours en avant par un seul but. Donc... Les tirs au but, 22 par les Cougars jusqu'à maintenant, 20 par les Islanders. Les Cougars qui ont toujours l'avance par un but, c'est 3-2. Mais devront débuter cette troisième période à court d'une joueuse en courant encore 1 minute 27 secondes. Mon nom est Rémi Meunier, on est en direct de l'Arena Jane Eric Molson. C'est la présentation du match entre les Cougars du Collège Champlain et les Islanders Collège John Abbott. Voyons ce qu'avait à dire Patrick Jonca avant le match d'aujourd'hui. Éliminé deux fois par les Islanders au cours des deux dernières années, ben, on a l'opportunité cet après-midi de balayer la série, mais c'est loin d'être gagné d'avance. Ben, écoute, moi je te dirais que c'est pas gagné du tout. Il y a un gros troisième match à gagner qui sera pas facile à gagner. On le sait, les fins de terminer une série, c'est jamais facile pour n'importe quelle équipe. Puis, pour la discussion qu'on a avec les filles aujourd'hui, pour la préparation d'avant-match, je leur ai dit que la série est encore 0-0. C'est faut voir ça comme ça, là, parce que ce sera pas facile du tout. Je m'attends à ce que John Abbott, on sorti très fort vendredi, et je m'attends à ce qu'il sorte de la même façon aujourd'hui. Et je me rappelle, au retour de la première période, vendredi soir, où on a eu nos regards se sont croisés, et on avait des cris dans le fond, on a passé à travers la première période, et avec un résultat presque inespéré, 1-1, alors que si on avait juste retraité avec ses quarts d'un but après une première période que John Abbott avait eu qui était vraiment excellente, mais c'était ouais. Bien. Oui, puis quand tu as refait, tu sais, quand j'ai regardé le match hier, puis j'ai revu on a quand même fait des bonnes choses en première période, malgré tout, malgré la tempête, comme je le dis souvent, qui est arrivée. Fait qu'on s'en est bien sorti. Puis en fin de période, le gros but qui nous a donné un peu de momentum pour partir la deuxième période a fait vraiment du bien. Là. Fait que non, écoute, je m'attends au même genre de match. Le match est encore aujourd'hui. Fait que je pense que ça va être un excellent match à regarder. Et t'as tout à fait raison. C'est vraiment pas les Cougars qui jouent un match. On a eu devant soi un adversaire qui était coriace, qui savait qu'il devait gagner ce match-là. Sont sortis des blocs très, 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 très forts, avec également l'avantage de la patinoire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient placer leurs meilleurs éléments. Il y avait des opportunités pour le faire. Puis on a vu qu'à quelques reprises, ça a malmené la défensive des Cougars. Ouais, puis je te dirais même que le deuxième but, ils ont revenu avec sa première ligne. J'essayais d'affronter, d'avoir une ligne avec des joueuses d'expérience, puis c'était ma ligne de recrue qui était sur la glace. Elle en a profité, elle a pris un temps mort, puis ils n'ont profité à ce moment-là, mais regarde, ça fait partie du jeu, puis... Oui, effectivement, puis ça va venir devant un match où on a une épaule collée au sol, tu peux dire, j'en avais aujourd'hui. Ben autant elles avaient cet avantage-là vendredi soir, là, ce sera à ton tour maintenant de leur compliquer un peu la vie, l'équipe adverse aura un petit peu plus de difficultés à placer ses meilleurs éléments. Oh, écoute, on va essayer de profiter d'avoir l'avantage de la glace, c'est évident, pour les derniers changements, ça c'est sûr, comme on a fait au premier match. Fait qu'on verra là, comment ça peut nous avantager à ce moment-là ici à maison.
C'est une discussion qui est intéressante à avoir parce qu'honnêtement, Patrick, on n'a pas parlé de ça de la saison et on n'a pas à le faire non plus parce qu'on est dans le processus. On veut que tout le monde profite évidemment de l'expérience qu'on peut, qui peut être acquise. Mais maintenant, où il n'y a pas de lendemain, il faut garder, où on a à faire face à l'équipe qui se laissera pas coller les deux épaules au sol sans rien faire avec des joueuses dominantes. Ben, on n'a pas le choix maintenant de faire un peu attention à. C'est clair, c'est évident rendu à ce moment-ci de l'année qu'il faut s'ajuster, quitte à prendre des décisions qui sont pas nécessairement plaisantes à prendre parce que tu veux pas, on aimerait utiliser toujours toute notre banc au complet. Fait qu'on a eu des décisions à prendre vendredi dernier. Je l'ai expliqué aux filles aussi parce que c'est important. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on prend ces décisions-là. Puis je leur ai dit aussi, mais c'est pour le bien de l'équipe. Je le fais pas parce que je suis fâché après elles ou quoi que ce soit. Tu sais, en fin de match, j'ai roulé à deux lignes et une quasiment là pour terminer le match. Mais c'était un but d'écart. Puis il fallait essayer d'aller remporter ce match-là qui était très important. Maintenant, aujourd'hui, on va s'ajuster puis on va voir comment on va gérer le banc au fur et à mesure que le match va avancer. Une chose que j'ai beaucoup appréciée vendredi soir dernier, on avait eu une première période où, évidemment, on a passé à travers la tempête, comme on vient de dire, et c'est pas parce qu'on avait mal joué, on avait devant nous un adversaire qui a vraiment très bien joué. Là où je suis placé là-bas pour faire le match, on est très près du temps des joueurs, donc ça me permet de voir un peu ce qui se passe des deux côtés. Et je voyais des jeunes filles qui revenaient du vestiaire souriantes. Puis ça, ben, c'est tout à l'honneur de l'équipe d'entraîneurs et également des vétérans à l'intérieur du groupe. Ils disent, bon, mais regarde, c'est 1-1, on est là pour s'amuser, on joue, c'est important de gagner, mais si on ne s'amuse pas, on gagne, on va. Et je voyais les visages souriants, puis j'ai aimé ce que j'ai vu. Ouais, non, exact. C'est une de nos valeurs, nous autres, de l'équipe, d'avoir du plaisir à fond. On l'a en anglais, là, mais c'est tellement important. Le hockey, c'est un jeu. Puis, il faut que si t'as pas de plaisir à jouer au hockey, à t'amuser sur sur la patinoire, ben, je pense que t'es peut-être pas dans le bon sport. Fait que, non, les filles, on a un bon groupe de leaders, des bonnes vétéranes, mais depuis le début de l'année, ce groupe-là est assez incroyable, là, ce qu'ils réussissent à faire. Même dans l'adversité, t'sais, on l'a vécu vendredi après la première période, ils auraient pu revenir sur le banc puis être un petit peu ébranlés, tout ça, mais absolument pas. Là, t'sais, on avait quand même fait des bonnes choses sur la glace. Il fallait maintenant répliquer un petit peu ce qu'on avait fait en fin de période, puis c'est ce qu'on a fait en début de deuxième. Et les deux équipes qui ne peuvent pas se laisser grand marge de manœuvre, parce qu'on a vu un match vendredi soir qui, les Islanders auraient pu mériter un meilleur score. Il y a à peu près une quinzaine de minutes sur les 60 qui ont été vraiment l'avantage des Cougars. On s'est imposé. On a réussi à marquer deux buts qui ont fait la différence en fin de parcours. Mais même lorsque les Islanders sont revenus avec un écart de deux buts, parce qu'on sait qu'on met un petit bûche en dessous de la marmite, on peut serrer le bâton davantage. Mais les Cougars se sont quand même très, très bien comportés. Il n'y a pas eu de vent de panique. Et il y a eu un effort soutenu du côté des Islanders et on a quand même tenu notre. Oui, exactement. Non, je pense qu'on a joué ça simple. On s'est assuré de bien jouer sans la rondelle à ce moment-là du match pour garder ça à un but d'écart, comme tu le dis. Puis en fin de match, même à 6 contre 5, on a quand même très, très bien réagi. Comme le dimanche passé, quand on était ici en fin de match aussi, on avait à 4-2, je crois, là, c'était quand même à 6 contre 5, puis on avait bien fait malgré les circonstances, puis ça a été la même chose vendredi. Fait que non, j'en parlais justement tantôt, on a fait un petit peu de vidéo, on a montré la fin de match aussi, comment on avait bien réagi, fait qu'on va s'assurer qu'aujourd'hui ce soit la même chose, qu'on panique pas, qu'on fasse les bonnes choses sans la rondelle, puis quand on va avoir la rondelle, bien, il faut s'amuser. Ben, écoute, c'est une formation qui ont gagné les deux dernières années du championnat. Là, fait que, tu sais, on s'attend à ce qu'ils, leur bagage, leur expérience de celles qui ont vécu ces expériences-là ressortent à travers tout ça. Donc, à nous bien réagir dans tout ça. Ben, il y a l'expérience, mais on voit aussi que des deux côtés, dans les deux équipes, il y a effectivement des joueurs, des éléments qui sont très, très, très combatifs. Et ça va prendre cette combativité-là pour réussir à sortir gagnant de cette série-là. Parce que, on a dit, bon, vous avez deux matchs d'avance, c'est mieux de les avoir courts que de les avoir contre. Mais s'il y a une formation qui peut revenir derrière, ben, j'en avais dans le Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'assurer de bien se présenter, de jouer un bon match.
de s'assurer sans la rondelle de très bien jouer. Puis je le répète souvent parce que contre elle, avec l'offensive qu'ils ont, si on se positionne bien, si on joue bien avec nos bâtons, ben on se donne de meilleures chances de créer de l'offensive à ce moment-là aussi. Fait que, c'est pour et ça. Et à l'inverse, c'était vrai également, parce que ouais. Il est vrai qu'au niveau des chances de marquer, il y a peut-être un certain avantage du côté de Toronto vendredi, mais les chances de marquer qu'on a accordées aux Cougars étaient vraiment excellentes. Et en pourcentage, les Cougars en ont profité davantage, n'ont pas raté leur chance, mais en même temps, c'était d'excellentes chances de marquer. Ouais. On en a profité. Ils n'ont pas volé. Non, absolument pas. Absolument pas. Quand on a fait des bons échecs avant, on a créé des revirements dans leur zone, on a eu des chances de compter. À l'inverse aussi, c'est arrivé en zone neutre qu'on a créé des revirements. Puis c'est un petit peu ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut améliorer, nous, de notre côté aussi, pour éviter de donner trop de chances de compter, parce que avec le punch en attaque qu'ils ont, ils peuvent nous faire mal assez rapidement. Un des éléments qu'on a vu à l'avantage de l'équipe adverse vendredi soir dernier, au cercle de mise en jeu, elles ont été excellentes. Elles ont été également excellentes sur les combats à un contre un, où régulièrement elles sont sorties avec la possession de la rondelle dans des combats longs avant. On devra, j'imagine, également être prudent, peut-être concéder la possession de la rondelle pour favoriser le positionnement sur la patinoire. Quand on parle des mises en jeu, tu as raison là-dessus. En première période, on a eu l'avantage. En deuxième, par contre, nous, on a eu l'avantage là-dessus. Ça nous a aidé. Troisième, ça a été un peu à leur avantage, mais plus serré. Fait que oui, il va falloir travailler là-dessus. Puis on a fait une couple de séquences tantôt où on a montré des mises en jeu là, où on devait réagir mieux. Mais en situation d'un contre un, comme je l'ai dit aux filles, c'est sûr que physiquement, ils ont un peu l'avantage sur nous. Par contre, on a de la vitesse. On est capable quand même de protéger notre rondelle. On est capable de bagarrer dans une situation d'un contre un. Faut juste s'assurer de, si on perd possession, de bien se positionner pour rien leur donner à ce moment-là. Et d'ailleurs, en possession de la rondelle de long avant, alimente sa coéquipière dans l'enclave. Oui. Exactement. C'est un bon échec avant qui a été fait à ce moment-là. On a placé la rondelle en fond de zone. Bon échec avant, on a créé un revirement, puis on a profité à ce moment-là. Écoute, un match cet après-midi où les Cougars pourraient se venger les deux dernières saisons et le faire de belle façon en alliant la série, ce que personne n'aurait vraiment. Personne qui aurait gagné un gros montant là-dessus. Vous avez l'opportunité de le faire, espérons que ça tourne à votre faveur. On va s'assurer qu'un chef à la fois, puis qu'on fasse le travail, c'est clair. Merci, Patrick, pour moi. Merci. Retour à l'aréna de jeune Eric Molson pour la présentation de cette troisième période. Les Cougars en avance par 3-2. Démarrons cette période en désavantage numérique. Les Highlanders qui ont l'opportunité de créer l'égalité ont eu une excellente deuxième période après avoir eu une première période un peu plus difficile. Regardons maintenant un peu rapidement ce qui se passe ailleurs dans le circuit collégial chez les hommes. Les Griffons qui ont perdu la première rencontre présentement, en deuxième période, on les vend 2-1 sur les Lions du Collège Saint-Laurent. Du côté des Titans, Ligue féminine, les Titans ont l'avance en troisième période 5-1 et sans grande surprise, se dirigent allègrement vers une participation à la finale ici. Si les Cougars gagnent, ben c'est 3-2 et s'ils gagnent, ben affronteront les Titans en ronde finale maintenant. Allons ailleurs dans la division 1, les Rebelles qui ont gagné contre les Janois 5-0, prennent les devants 2-0 dans leur série. Les Janois qui ont eu une deuxième moitié, depuis les fêtes, ont eu une période difficile
étaient parmi les quatre premiers. Et maintenant, ben, ça glisse. Le boomerang, eux, 6-1 contre les Dragons. Et c'est 6-4. Match terminé également là, des Patriotes contre... ben là, ça, c'est en division 2, les Patriotes contre le Boomerang. Boomerang en division 1, qui ont gagné 6-1 contre les Dragons. Ça, c'est la flèche. Et c'est reparti ici pour cette troisième période entre les Cougars et les Islanders. On ira là, vers de l'autre côté, vers Marmirati. Remet à D'Alessandro. En haut de territoire pour le Sage. Il va d'un tir. C'est hors cible. Récupéré par le Skodan. Le Skodan pivote sur elle-même. Revient vers l'intérieur. On tente de surprendre la gardienne côté rapproché. Fait l'arrêt encore 34 secondes. Donc, l'unité défensive qui tente de survivre à cette attaque. Et on fait confiance à la recrue Verpas au cercle de mise en jeu du côté des Cougars. Place aura le meilleur. Jobin est cloué sur la rampe. On s'est rabattu rapidement sur elle et c'est à 3 du côté des Islanders. Content de récupérer 10 et on arrivera à le faire avec Lalonde. Lalonde dans le coin opposé. Lalonde qui pivote sur elle-même, remet dans le coin à Barbirati. Coin opposé pour le Skodan et à la ligne bleue maintenant pour D'Alessandro. D'Alessandro remet vers l'intérieur, vers passe intercept. Pousse pour elle-même. D'Alessandro va venir la devancer. Rondelle qui a été poussée un peu trop loin. On partait à 2-1 avec Blanchard. D'Alessandro qui revient en territoire offensif. Une feinte. Bon bâton en défensive de Marié Bonhomme. Là. Revient vers l'intérieur. C'est Côté. Côté qui intercepte. On est revenu à force égale. Donc, les Cougars qui auront réussi à survivre. Interception derrière le filet par Pro. On vient de lui soutirer le disque. Bon travail de Cachero. Il remet vers Graham. Tentait de faire dévier la rondelle vers l'intérieur. Disque qui est repris par Morin et maintenant Prou qui récupère cette rondelle. On remet à contre-courant, il n'y a personne pour recevoir. Graham voit la rondelle passer tout près de la lame de son bâton. Il n'a pas réussi à capter cette rondelle, aurait pu créer un revirement. Cachero, une passe transversale qui va aller jusqu'à l'autre bout. Et finalement, on l'a joué. Je croyais qu'on allait rappeler le jeu avec Marié Bonhomme qui s'approchait. Disque qui est repris maintenant par Foran. Foran qui est venu appuyer l'attaque, toujours en possession de la rondelle. Foran remet à Cachero, un jeu qui est bloqué en défensive par Marié Bonhomme, repris par Blanchard qui est descendu aider la défensive. Et Blanchard se met en marche. Blanchard avec Charbonneau à sa poursuite. Rondelle qui a été touchée par l'officiel. Contre et rondelle qui sera amenée maintenant en territoire des Cougars après qu'elle ait touché justement le juge de ligne. Blanchard reprend. Blanchard qui accélère. Blanchard, placement de rondelle en fond de territoire. 17 minutes et 8 secondes à faire en troisième. Changement appelé. Rondelle qui revient en haut territoire. Vertas intercepte. On remet en fond de territoire. C'est repris par Le Sage qui tentait de remettre du côté de Pirolo. Rondelle qui était interceptée en territoire neutre. Et on ramène les Islanders dans leur territoire. C'est repris par Boutin. Boutin qui fait de même. On ramène à nouveau les Islanders dans leur territoire. C'est repris derrière par Le Sage. On reviendra à Pirolo qui place le disque en territoire des Cougars. Bordelot vient de saisir. Remet de l'autre côté à Boutin par la rampe. C'est pour Prévost. Prévost s'amène avec Verpas dans l'enclave. Prévost contourne le filet. Prévost qui chute. Les deux joueuses qui roulent. On bataillait pour la rondelle. C'est Foran et Prévost. Prévost qui remet à la hauteur du cercle de mise en jeu. Verpas qui fait feinte de donner la rondelle à la ligne 2, vient récupérer dans le coin, remet à Prévost. Prévost, le disque sautillant, se le fait soutirer par Cachero qui s'amène en territoire offensif. Cachero, là, toujours en possession de la rondelle, freine des changements appelés là, par les Islanders. On revient maintenant avec D'Alessandro dans le coin pour le Skodan. Vers D'Alessandro, un tir et marque! Eh bien, l'égalité est créée. Bon travail en territoire offensif. Et les Islanders créent l'égalité 3-3. Bon travail en pression offensive et bon changement d'entraîneur Marin qui vient prendre la défensive à contre-pied. On avait amené à nouveau le trio offensif du côté. On revient vers l'intérieur et l'égalité est créée. Ben après une mauvaise première période de la part des Islanders, depuis la deuxième période, on a retrouvé notre rythme
Et c'est l'égalité partout. 3-3 au pointage, 22 tirs de chaque côté. Lacombe place la rondelle en fond de territoire. Boutin va venir saisir le disque. Boutin par la rampe, remet à Proulx. Le long de la rampe, Boutin va reprendre. Boutin vers côté, côté qui a cessé de bouger les pieds. Rondelle qui est passée devant elle. Et on va reprendre près de la gardienne de la chance du loin. Alors, on va reprendre en territoire des Cougars avec 15 minutes 41 et vous connaissez l'expression consacrée. On a tout joué ça pour rien. C'est 3-3. Boutin, et c'est Graham qui est venu soutirer cette rondelle sous les pieds des joueurs de centre. Morin maintenant en territoire neutre. Morin tente de pousser le disque plus loin. Morin qui s'avance, bataille pour la rondelle. Ce sera récupéré par côté. Côté, par la rampe. Et là, ben, le sage qui est venu frapper. Et là, ben, on entend les. Il y a quelques arbitres dans les gradins qui ont vu que la joueuse des Cougars avait été touchée dans le dos. Morin, pas Morin, mais bien Boutin qui amène la rondelle en fond territoire. Blanchard s'est avancé. Blanchard se fait barrer la route par la capitaine Charbonneau. Tentait de remettre le disque vers Graham. Ce sera refusé. On va revenir en territoire des Islanders près de la gardienne Anaël Gagné. Un match qui est allé en séquence. Les Cougars qui ont eu vraiment le meilleur en première période. Ils auraient pu inscrire un filet de plus avec un double avantage numérique en deuxième période, ce qu'elles n'ont pas réussi à faire. Les Islanders sont venus de l'arrière. Les enjeux gagnés par les Islanders. C'est repris par Graham. Graham se fait barrer la route. Et il y aura relance maintenant avec Roger. Roger qui, à son tour, n'a pu aller nulle part. On est venu lui barrer la route à 3. Forant récupère derrière. Jobin va reprendre ce disque le long de la rampe. Jobin tentait de placer la rondelle plus loin. Forant qui est venu intercepter cette rondelle. En territoire neutre maintenant là. Et Larouche. Larouche qui récupère le disque. Larouche accélère. Tente de placer la rondelle en fond de territoire. C'est intercepté par Forant. Remet de l'autre côté pour Cachero. On reviendra au centre. Disque sautillant côté reprend. Remet à Morin. Morin, placement de rondelle en fond de territoire. Et c'est Lesage qui va venir reprendre ce disque. Ramène le long de la rampe. Le Skodan a été devancé par côté. Disque qui est poussé dans le coin opposé. On vient le récupérer. Barbirati qui est là, entre autres. Morin s'est avancé chez elle. Morin qui est côté, de l'autre côté pour Boutin qui est allé d'un tir. Ça a été bloqué en défensive. Boutin pousse le disque pour elle-même. Boutin qui tente de reprendre avec côté. Finalement, ça sera récupéré par les Islanders. On remettra le long de la rampe. Marie Bonhomme intercepte. On ramène les Islanders dans leur territoire. On travaille vers l'intérieur. C'était pour Morin, côté, qui avait récupéré cette rondelle derrière la ligne des buts. Belle chance de marquer ici, mais c'est passé. Et là, ben, c'est Marie Bonhomme qui sera chassée à son tour pour cette mise en échec qu'elle vient de distribuer à Barbirati qui a croulé. Donc, Marie Bonhomme qui est amenée au banc des pénalités. Alors, quelques bons coups d'épaule qui ont été distribués de part et d'autre. Et là, ben, on vient ouvrir la porte aux Islanders qui vont retourner en avantage numérique pendant que Jade Barbirati se relève et va revenir au banc des siens. Ça semble signifier aux soigneurs que tout est beau. Et avantage numérique aux Islanders. On amène D'Alessandro comme pointeur. Lesage, finalement, va s'installer derrière. On fait signe à D'Alessandro d'aller prendre la mise en jeu. Et Forain et Lesage vont s'installer derrière. Mise en jeu gagnée par les Cougars. Ça revient dans le coin. Poussé plus loin par Blanchard. Lesage est avancé. C'est le Skodan qui rate son tir. Elle avait l'ouverture, là, le Skodan. C'est ramené dans le coin. Forant qui s'est avancé. On regarde du côté d'Anglu. Remet à le Skodan. Le Skodan pivote sur elle-même. C'est Jobin qui réussit
à conserver le disque dans le coin. On bataille les deux filles qui sont qui ont croulé. Jobin qui est toujours au sol. Rondelle qui est finalement récupérée par D'Alessandro. Remet dans le coin pour Lalonde à la ligne bleue. Le Sage récupère un tir, c'est dévié. Arrêt de la gardienne, retour et à nouveau, autre arrêt de la chance Blouin et dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. On va amener une deuxième vague en défensive. Pendant qu'on est prudent, là, du côté des changements, les Cougars se sont fait prendre à deux reprises lors des changements pour avoir eu une joueuse de trop sur la glace. D'Alessandro tentait de remettre vers le Skodan récupère, remet dans l'enclave, c'est bloqué en défensive par Gervais, repris, mais bloqué à nouveau par D'Alessandro. D'Alessandro revient vers l'intérieur de l'autre côté, c'est bien passé pour Lacombe qui s'est avancé, c'est repris par côté, mais rapidement D'Alessandro vient récupérer le 10, mais D'Alessandro, qui en première période avait laissé ses jambes dans l'autobus, je veux vous dire que depuis la deuxième période, elle les a retrouvées. Le long de la rampe maintenant. On bataille pour le disque, ça revient à Cachero. Cachero, un tir, bloqué, c'est repris. Et là, c'est la chance loin qui fait l'arrêt. On revient en haut territoire. Cachero, un tir, dévié par la gardienne. La chance loin dans le filet protecteur. Et encore 15 secondes à faire à l'avantage numérique. Et les Highlanders bourdonnent. Je vous rappelle que les Cougars s'étaient donné une avance de 3 buts en première période. Et les Highlanders ont riposté 3 fois sans riposte. Blanchard au cercle de mise en jeu devant Charbonneau, la capitaine. Et c'est Charbonneau qui aura le meilleur. On revient à Forand derrière. Un tir qui passe à la gauche du filet. Boutin qui tente de conserver la rondelle le long de la rampe. Bataille avec l'adversaire. Ça revient à Forand. Disque a été dévié. Ce sera repris. Dans le coin, ça revient à Cachero directement dans l'enclave. Et c'est Graham là, qui a tenté de récupérer. Un lob, ça va quitter la surface glacée. On va à nouveau reprendre en territoire des Cougars. Et la pénalité est terminée. Et je crois que pour la première fois dans le match, les Highlanders prennent les devants au niveau des tirs au but. C'est 25 contre 24. Et en territoire offensif, on revient avec D'Alessandro, le Skodan, Barbirati, le Sage et l'arrivée à la ligne bleue. On tente de profiter justement de ses chances en territoire offensif. Et attention, là, on est venu bloquer Verpasse qui se serait échappé. Là. Disque est repris, le Skodan remet vers l'intérieur. Un bon bâton, le Sage reprend un tir, bloquant défensive et Verpasse reprend. Verpasse qui se fait barrer la route. Encore une fois, et là, il y aura pénalité. Le Sage sera chassé. Donc, pour avoir accroché. Et effectivement, le Verpasse qui est allé de deux bonnes poussées en offensive. Et sur la séquence précédente, on aurait pu également appeler une pénalité pour obstruction. On ne l'a pas fait. Et à deuxième tentative, sur le long de la rampe opposée. Mais là, cette fois-ci, le Sage se fait prendre. Et les Cougars qui vont retourner en avantage numérique. Rondelle qui revient au cercle de mise en jeu. Et c'est Lalonde qui reprend ce disque. Lalonde qui va complètement... Ben, c'est intercepté par Marie Bonhomme à la hauteur de la ligne bleue. On travaille le long de la rampe avec Morin. Tentait de remettre vers l'intérieur. C'est bloqué. Rondelle qui revient à Morin. Disque qui est repris par... Marié Bonhomme, Boutin va reprendre. Boutin, le long de la rampe. Boutin qui perd le disque. Et c'est Cachero qui complète le dégagement jusqu'à l'autre bout. Attention, là, Lamoureux qui sera là la première. Lamoureux qui reprend cette rondelle, puis va sur elle-même. Lamoureux qui remet devant et finalement, rondelle qui sera récupérée par, attention, et encore une fois, on revenait de l'arrière. Charbonneau qui s'amenait sur Proulx. Marié Bonhomme place la rondelle en fond de territoire. Ça va aller dans le coin opposé. Morin qui est là. Avec Côté. Côté reprend le disque. Côté regarde du côté de Jobin. Un tir. Tir qui rate la cible. Côté va venir elle-même saisir le disque. Remet derrière pour Jobin. Qui ramène le disque à Côté dans le coin. Dans l'enclave. Et là, ben, il y avait deux joueuses pour recevoir. Personne n'est en mesure de capter cette rondelle. Jobin va reprendre loin derrière. Deuxième vague en offensive pour les Cougars. 45 secondes à faire à l'avantage numérique. On revient
à Blanchard qui n'arrive pas à maîtriser le disque. Cachero intercepte. Ça touche l'officiel. Et il y aura hors-jeu à l'entrée du territoire des Islanders. 38 secondes à faire à l'avantage numérique. On n'a pas été en mesure de défier la gardienne des Islanders. Il y a eu une seule bonne incursion. On a ramené la rondelle, la transversale, directement dans l'enclave. Mais personne n'a été capable de recevoir cette rondelle et d'y aller d'un tir. Donc, pour l'instant, l'unité défensive, quel meilleur? Jobin Aveilleux. Et à nouveau, là, on touche l'officiel. L'officiel qui a été frappé deux fois, là. Disque qu'on tentait d'amener de l'autre côté. Et c'est Loscodan qui a été frappé par le disque. Ça favorise le travail en défensive. On est venu compléter le dégagement. Et c'est Verpas qui va récupérer cette rondelle. Remet du côté de Veilleux. Veilleux qui n'a pas été en mesure de maîtriser le disque. Blanchard reprend en territoire neutre. Pivote sur elle-même. Loscodan maintenant récupère le disque. Loscodan revient le long de la rampe, seul de son camp. Et ça met un terme à l'avantage numérique. Mais la défensive, encore une fois, qui aurait eu le meilleur sur l'attaque à 5 des Cougars. On s'amène maintenant en territoire offensif. Boutin qui est là, on amène des changements du côté des Cougars. Là. Fondel qui est placé derrière la ligne des buts d'Alessandro va reprendre. C'est repris à la hauteur de la ligne bleue par côté qui ramène les Islanders dans leur territoire. D'Alessandro va reprendre. D'Alessandro freine. D'Alessandro perd le disque. C'est côté qui le reprend. Remet vers qui va d'un tir, ce n'est pas cadré. Côté, c'est Morin qui récupère derrière la ligne des buts. On revient à la ligne bleue pour Marié Bonhomme. Et là, ben, Rondel qui est passé juste devant la lame du bâton de Prou. Prou qui perd le disque dans le coin, est amené le long de la rampe par l'arrivée. Charbonneau va reprendre. Charbonneau pivote sur elle-même, réussit à protéger le disque. Il récupère, remet au centre, une passe qui manque de précision. C'est récupéré par Marié Bonhomme qui ramène les Islanders dans leur territoire. Il y aura des changements appelés par l'entraîneur Jonca. L'arrivée ramène les Cougars dans leur territoire. Ça va dans le coin Gervais qui voit Graham le devancer. Mais on réussit tout de même à récupérer le disque et à reprendre encore une fois l'officiel qui est frappé par les joueuses qui passaient tout près. Foran qui ramène le disque vers la compe en territoire neutre. On rejoint Barbirati. Barbirati intercepte. C'est récupéré par Graham derrière. Graham revient vers l'intérieur. Graham marque! Eh bien, on vient faire descendre la défensive. Et les Islanders qui inscrivent 4 buts sans riposte et prennent les devants 4 à 3. On va voir ici là, une rondelle qui... Un revirement en haut de territoire. On va revenir vers l'intérieur. Graham qui perce la défensive seul, revient vers l'intérieur et Marc s'est promené là, à travers les joueuses des Cougars comme si rien n'était. On a été permissif là-dessus. Bien, les Cougars qui, en première période, avaient les allures d'un match qui serait facile, bien là, tire de l'arrière par un. Verpas au cercle de mise en jeu. Gagne son duel. Ça va revenir à Prévost. Il amène les Islanders dans leur territoire. Cachero va reprendre le long de la rampe. Pousser ça plus loin. Marié Bonhomme n'arrive pas à capter cette rondelle. Prévost reprend et remet vers Boutin par la rampe à Verpas qui voit la rondelle passer sous la lame de son bâton. C'est intercepté maintenant par Marié Bonhomme. Disque qui est récupéré derrière par Saint-Pierre. On ramène les Islanders dans leur territoire. Disque qui est récupéré par Barbirati qui pousse plus loin. Morin va venir récupérer cette rondelle. Comme un disque à Boutin. Boutin vers Morin. Morin qui s'amène en territoire offensif. Morin va d'un tir. Ça a été dévié en défensive par l'arrivée. Morin vient reprendre le long de la rampe. Disque sautillant. Graham reprend et s'amène en territoire offensif. Graham tente de revenir vers l'intérieur. Des changements appelés par l'entraîneur Morin. Marin. L'entraîneur, c'est Marin. Disque maintenant qui est repris par Pro. Défensive qui a été conservatrice là-dessus. On a reculé. Foran qui reprend. Foran là, du côté des Islanders. Place le disque en fond de territoire. Ce sera repris derrière la ligne des buts par Jobin. Passe qui manque de précision. Et Cachero n'arrive pas non plus à maîtriser cette rondelle. Lamoureux va reprendre et remettre vers Foran. Disque dirigé vers Bordelot. Bordelot
Elle va maintenant vers Jobin. Jobin par la rampe, tente de ramener ça. La Roche reprend. La Roche s'amène vers l'intérieur. C'est pour Roger. Roger tentait de la partie éloignée. Ça a raté la cible et ça revient en territoire neutre. Disque intercepté par Lacombe. Rondelle ramenée chez les Cougars. Ce sera repris à nouveau par Bordeloup. Bordeloup qui freine et revient sur ses pas. 5 minutes 17 secondes à faire en troisième. Les Highlanders ont pris les devants 4 à 3. Bordeloup maintenant. Bordeloup en territoire neutre. Et c'est un placement de rondelle en fond de territoire. Ce sera récupéré, ce disque, par l'arrivée qui pivote sur elle-même. Disque qui revient le long de la rampe. Prévost qui n'arrive pas à maîtriser le disque. On bataille à nouveau. Ça va à Marie Bonhomme. Un tir qui est bloqué en défensive par l'arrivée. Ça va dans le coin. L'arrivée vient reprendre ce disque. Et c'est un dégagement qui va aller faiblement jusqu'à l'autre bout. Et on laisse jouer. Disque que Gagné va pousser plus loin et devancé par Cachero qui freine. Revient sur ses pas vers Passella. Ça va jusqu'à Marie Bonhomme à la ligne bleue. Un tir. Rondelle qui est libre. Et c'est Gagné qui va venir le saisir. Gagné revient vers l'intérieur. Un tir bloqué par la gardienne Gagné. Barbirati maintenant qui reprend. Dans sa rondelle derrière la ligne des buts. Forant va venir saisir. Remet le long de la rampe. Disque sautillant que Loscodan réussit à pousser plus loin vers D'Alessandro. D'Alessandro dans sa rondelle en territoire des Cougars. C'est ramené en territoire neutre. Le Sage y va d'un tir hors cible. Ça ramène les Cougars dans leur territoire. Et c'est repli cette rondelle par Marie Bonhomme derrière son filet qui va céder la rondelle à Pro. Pro là, qui pousse le disque pour elle-même. Ça mène maintenant en territoire offensif. Pro y va d'un tir. Le retour. Rondelle de l'autre côté. Et Côté qui a passé bien près de diriger la rondelle dans un filet abandonné. On a bien joué en défensive là-dessus. On est venu lever son bâton au moment où elle tentait d'amener la rondelle derrière la ligne des buts. 3 minutes 26 secondes à faire à cette troisième période. On bataille derrière la ligne des buts. Il y a Prou qui est là avec Côté également. Et là, rondelle qui est bloquée le long de la rampe. Et finalement, on est arrivé à bouger. C'est Le Sage qui sort avec le disque. Le Sage. Le Sage qui pousse la rondelle pour elle-même, réussit à pousser plus loin. Et Lalonde qui. Disque qui va le long de la rampe opposée. C'est repris par Lalonde qui s'est avancé. C'est poussé plus loin. Lacombe qui tente de ramener la rondelle dans le coin. Là, on bataille pour la possession du disque. Ça va aller jusqu'à Larouche qui remet vers l'intérieur à Roger. Roger qui se fait soutirer le disque. C'est repris derrière par Blanchard. Blanchard tente de revenir vers l'intérieur. Revirement. Barbirati. Barbirati a tiré marque! Eh bien, Barbirati inscrit un cinquième filet pour les Highlanders. C'est un revirement en haut de territoire. Et les Highlanders viennent de se donner une option sur un quatrième match. On voit ici le revirement en territoire des Cougars. Ça va revenir derrière et Barbirati ne ratera pas sa chance. Un tir pour inscrire un cinquième filet. Écoutez, avec 2,34 à faire, 5 à 3 la marque des Highlanders qui inscrivent 5 buts sans riposte. Ils vont ramener la série au Collège John Abbott vendredi soir prochain. Les Cougars en première période qui semblaient seuls sur la patinoire. Et puissance offensive du côté des Highlanders qu'on a été incapable de contenir. Et Graham reprend, remet derrière à l'arrivée. De l'autre côté, c'est pour Le Sage vers Charbonneau. Marie Bonhomme reprend. Vers Morin, placement de rondelle. Et on va retirer la gardienne la chance de loin qui est maintenant banc à la faveur d'un cinquième, de sixième attaquant. C'est Verpas qui s'est amené dans la mêlée. Disque qui contente. On est en mode fermeture de match du côté des Highlanders. Et le jeu sera rappelé. Alors, rondelle qui bougeait et c'est Morin qui semble pas tout à fait en accord avec l'appel de l'officiel. Temps d'arrêt qui est appelé.
on n'a pas toujours été très constant. Là, on a été très permissif le long des rampes, parfois moins, quelques coups d'épaule qui n'ont pas été appelés, d'autres oui. Alors, mais somme toute, les Islanders qui sont revenus de l'arrière, 27-27 là, au niveau des tirs au but, les Islanders sont revenus de l'arrière, et c'est tout à leur honneur, puisque ils n'ont pas connu une première période à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire. On avait tenté de séparer un peu les trios. On a ramené après ça Loscodan, Barbirati, D'Alessandro, et ça a été payant. Et on a retrouvé nos jambes en deuxième période. Et là, ben, tranquillement, ça a commencé à basculer. On a réussi à passer à travers un double avant, un double désavantage numérique. Et on a continué à marteler et à remonter. Et là, maintenant, ben, on a l'avant par deux buts. On a elle qui récupérait la ligne bleue. On remet à Marié Bonhomme. Un tir. Le retour, c'est repris directement dans l'enclave par D'Alessandro. Disque qui sera repris par Loscodan. Loscodan cherche la ligne de tir. Ça revient vers l'intérieur. Et un bon bâton ici. On libère le devant. Disque qui est amené derrière le filet. Marié Bonhomme qui remet à Boutin. Boutin qui tente de s'échapper. Il n'y a personne le long de la rampe à gauche. Côté maintenant que semaine, on travaille dans le coin. 1-24 à faire. Et les Islanders qui n'ont pas nécessairement à aller chercher un troisième filet peuvent passer le plus de temps possible en territoire offensif pendant que Cachero, elle, est reparti au banc. Rondelle qui est passé devant Morin. On ramène les couleurs dans leur territoire. Boutin reprend derrière. Boutin tente de revenir. Et là, ben, contact entre les deux. Et ça sera un sixième filet dans un filet désert. Et on retourne. C'est maintenant officiel. On va retourner du côté du collège John Abbott pour la présentation d'un quatrième match. Et bien, si après la première période, tous les espoirs étaient permis pour les Cougars, eh bien, elles ont eu les devants par trois buts. Mais maintenant, elles tirent de l'arrière par trois avec ce but marqué dans un filet désert. Alors, il y aura un quatrième match. Et on retourne du côté de John Abbott. Elles pourront plus facilement placer leurs meilleurs éléments dans des conditions favorables. Alors, il est loin d'être impossible qu'on se revoie ici la semaine prochaine, dimanche prochain, pour la présentation d'un match décisif entre les deux formations. Alors, dernière minute de jeu dans cette troisième période. Et un match qui, finalement, aura basculé en faveur des Islanders. Dégagement qui va aller jusqu'à l'autre bout. Les officiels qui vont laisser jouer, c'est Cachero qui va venir reprendre cette rondelle. Il va sur elle-même et réussit à se libérer de deux joueuses. Gervais qui reprend. Remet de l'autre côté pour Bordeloup. On revient en territoire neutre. Lacombe pivote sur elle-même. Ça sera repris derrière. Disque sautillant. Lamoureux qui pivote sur elle-même. Et c'est Bordeloup qui va reprendre derrière. Remet de l'autre côté. On revient vers l'intérieur. Il y aura hors-jeu à l'entrée du territoire avec un peu plus de 7 secondes à faire. Et bien, c'est ce qui mettra un terme. C'est quelques secondes à compléter à un match qu'on doit saluer, là, la force de caractère des Islanders. On tirait de l'arrière 3-0, aurait pu laisser aller l'équipe adverse. Ben non, on a continué à travailler, on a retrouvé nos jambes, des jambes qui étaient lourdes en première période. Et c'est là-dessus que ça se termine. Ben, les Islanders seront revenus de l'arrière pour venir arracher cette victoire et sauver les meubles. Donc, première étape pour leur survie qui est complétée. On ramène tout le monde du côté de John Abbott. Les tirs au but, 28 de chaque côté. Mais la marque la plus importante, ben, c'est celle qu'on inscrit en rouge. Les Islanders, après un but dans un filet désert, un but de fin de période, vont retraiter dans l'autobus avec une victoire de 6-3. Ben, mon nom est Rémi Meunier. Ça m'a fait plaisir de décrire ce match-là pour vous. Je serai avec vous également là, du côté de John Abbott vendredi soir prochain pour ce quatrième match entre les deux formations. C'est ce qui met un terme à ce reportage. On vous retrouve la semaine prochaine. On est en direct de l'Arena Jean et Eric Molson de l'Université Bishop à Lenoxville.
C'était la présentation du match entre les Cougars du Collège Champlain et les Islanders du Collège John Abbott.